grand docteur Jean-Paul Amégan. Docteur Jean-Paul Amégan est un grand quanticien et aujourd'hui il va encore nous parler de la santé avec Alliance Emotion Global. Je suis Diakwaso Folizou Fabrice, je suis consultant en MLM et je suis naturothérapeute. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur. Mais avant cela, il faut que je vous rappelle que notre salle Zoom ne contient que 100 places. La capacité de la salle, c'est 100 personnes. Donc, au-delà de 100, on ne peut plus recevoir des gens. Donc, ceux qui veulent toujours nous suivre peuvent aller sur notre Facebook Global G plus Salle. Là, vous pouvez aussi comment participer à tout ce que nous faisons. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez tout ce que les gens qui sont dans la salle font, vous pouvez le faire là-bas. Vous suivez seulement si vous voulez, c'est seulement quand vous voulez intervenir directement que ça ne peut pas marcher. Mais si vous voulez répondre à une question, écrivez la question et envoyez seulement. Et on va lire la question et vous aurez votre réponse. Donc, aujourd'hui, c'est le 9 février 2022 et le thème du jour, c'est comprendre la douleur dans son paradigme divin avec AIM. Comprendre la douleur dans son paradigme divin avec AIM. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et je suis sûr que Dr Jean-Paul Amégan est déjà prêt pour nous fournir encore des renseignements sur notre santé. Allô, docteur Jean-Paul Amégan, vous êtes en ligne? Je suis en ligne. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Jean-Paul Amégan. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alhamdoulilah, comme on le dit ici. Ok, toujours bonne fête à vous, hein, bonne fête au Sénégal. Ah ben, il faut voir comment le football peut être fédérateur. Oui. Avec cette victoire, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Hein? Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. C'est une communion et une fusion, une harmonie que j'aurais aimé que beaucoup de pays expérimentent. Vraiment, c'est un jeu qui met tout le monde ensemble. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. C'est la joie, la communion. Et ben, c'est beau à voir. Nous avons toujours vu ça sur les réseaux sociaux et comment la fête est là, comment il y a du monde. Les réseaux, ce ne sont que quelques échantillons. Vraiment, vraiment, c'est très intéressant. Vraiment, bonne fête à vous, bonne fête au Sénégal. Bonne fête à la fois. Depuis la nuit de samedi, oui. Les gens ont veillé. Et le dimanche, ça a été long. Et après, waouh! Sans oublier le lundi qu'elles sont arrivées, et même hier encore. Mm-hmm. C'est beau à voir que chaque pays puisse avoir la chance de vivre ça une fois. Ah oui, oui. Voilà. En tout cas, tout cela, c'est l'Afrique qui est en fait. Oui, c'est l'essentiel. Le football permettra d'éviter les guerres, d'éviter les querelles pendant un temps au moins, où on sait toutes les différences pour jouir et bon, se dire que bien, il faut que ça se répète souvent. Vraiment. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, merci pour les précisions. Maintenant, aujourd'hui, comme je viens de le dire, le thème, c'est comprendre la douleur dans son paradigme divin avec AIM. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec cette phrase? Je suis vraiment heureux de vous retrouver tous encore. Pourquoi j'insiste tellement sur certaines choses, c'est que il faut qu'on change notre façon de comprendre et de voir les choses. Tant qu'on ne va pas les changer, on sera toujours piégé. Lorsqu'il y a des concepts assez flous, comment voulez-vous être précis lorsque quelqu'un souffre et que vous voulez lui ôter la souffrance?
Les mots déjà sont difficiles. Je parle des mots M-O-T, pas des mots M-A-U-X. Ils sont déjà difficiles à comprendre. Et les mots M-O-T qui expriment les mots A-U-X sont encore beaucoup plus complexes. C'est pour ça que j'ai voulu faire comprendre aujourd'hui et Inch'Allah, à la fin, tout le monde saura ce qu'est la douleur et qu'est-ce qu'on doit considérer comme une douleur. Parce que souvent, les gens confondent souffrance et douleur. Quoique, c'est toléré comme toute affliction, toute tristesse, tout malheur, tout tourment peuvent être considérés comme une douleur. Mais ça, c'est flou. C'est flou et ça ne permet pas de saisir la notion de douleur exactement. Or, cette douleur doit vous permettre d'agir de façon précise sur la santé. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Le sens divin, le sens naturel divin de la douleur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Bien, les gens sont déjà bien assis, nombreux à nous suivre déjà. J'espère que chacun a un papier et un écritoire devant lui pour noter. Je vais donner une phrase que vous allez noter. Et on va discuter de cette phrase-là d'abord pour voir l'importance d'un message et de la compréhension d'un message pour qu'on puisse continuer après. S'il vous plaît, écrivez. Tuer, tuer, T-U-E-Z. Tuer. T-U-E-Z, pas P-A-S, libéré, E-Z aussi. Tu es pas libéré, point. Tu es pas libéré. Oui, tu es pas libéré, point. Libéré, c'est E-R à la fin? Non, E-Z aussi. E-Z. On peut mettre le R, si vous voulez. Ok. Tu n'es pas libéré. Oui. Tu n'es pas libéré. Mm-hmm. Vous voyez, supposez que je vienne et je vous dise ceci. Tu n'es pas libéré. Ou bien, tu n'es pas libéré. Je ne sais pas si vous voyez que mon intonation n'est pas pareille dans les deux. Dans l'un, je dis « tu es pas libéré ». Dans l'autre, je dis « tu es pas libéré ». Cela veut dire que la phrase manque de quelque chose. La phrase que je viens de vous donner manque de quelque chose. C'est quoi? J'ai précisé le point à la fin. Oui. Dans la phrase, il manque quelque chose. Ici, docteur, je vois que ça, le problème de ponctuation se pose. Donc, je vais donner le temps plutôt à la salle de réponse. Oui, je vais donner plutôt la chance à la salle de réponse. Allô, on a dit tué et Z à la fin, pas libéré. Point. Maintenant, on nous demande qu'est-ce qui manque à cette phrase. Pour que ça ait un sens ou un autre. Pour que ça nous donne un sens ou un autre. Donc, vous pouvez envoyer votre réponse par écrit ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Il y a déjà des réponses qui sont là. Il y a déjà Petros Yepab qui dit la ponctuation, virgule. Oui, il a précisé virgule. Oui, bravo. Il y a Fatih Kourouma aussi qui dit ceci, la virgule. Bravo, bravo, c'est la virgule qui manque. Maintenant, oui, c'est la virgule. Que chacun place la virgule où il veut et qu'il me dise ce que ça signifie. Donc maintenant, placer la virgule soit après tu es, soit après pas. Et dites-moi ce que ça veut dire. Ok. Donc, à vous la parole, la salle. On nous demande de mettre soit la virgule
après tuer ou bien après pas et nous donner la signification de la phrase, ce que la phrase veut nous dire. Quel que soit l'endroit où on place la virgule. Donc, quelqu'un choisit. Et il y a Audrey qui lève la main. Ouais. Si on peut lui donner la parole, on lui donne la parole. Il place la virgule. Allô, Audrey, vous êtes en ligne? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Okay. Très bien. S'il vous plaît, bon. Monsieur Audrey. Voilà. Si on met la virgule tout juste après tuer, alors, ça veut dire que ça prend un sens. Ça dit qu'on doit tuer et on ne doit pas libérer. Maintenant, si maintenant on met la virgule après pas, mm-hmm. voilà, tuer pas, ça veut dire qu'on ne doit pas tuer, mais on doit libérer. Donc, la phrase change de sens par rapport à la position de la ponctuation de la virgule. Mm-hmm. J'ai voulu vous faire remarquer ça. Et vous avez tous compris ici que lorsque j'envoie un message, il suffit que le message soit mal transmis ou que le message soit mal compris pour qu'il y ait désastre. Pour qu'on fasse le contraire de ce qu'on pense faire. Vous voyez, j'ai donné ce truc-là pour vous dire l'importance du message qu'il faut comprendre et du messager. Parce que tu peux donner le message à quelqu'un et qu'il va transmettre ça autrement. Dès qu'il transmet le message autrement, tout est foutu. J'insiste là-dessus. Entre un message que tu envoies à quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ce que la personne perçoit du message, cela dépend du messager. Si le messager est fidèle à ce que tu lui as dit, il va le transmettre exactement. Mais il peut atténuer, modifier le message, quoique il ne change pas les mots. J'ai voulu vous faire voir ce petit point pour que vous compreniez que lorsqu'on envoie un message, il faut prendre les précautions pour que le message ne soit pas modifié et s'assurer que le message est compris tel que cela a été envoyé. Mais vous voyez, c'est un petit exemple de piège qu'on rencontre souvent. Mais vous allez croire que c'est seulement dans la communication qu'on l'a. Mais dans la vie de tous les jours, le même problème se pose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que la douleur est un message. La douleur est un message. Mais si on ne comprend pas le message, on ne peut pas régler le problème que véhicule le message. Je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus, c'est très important. C'est comme par exemple l'hypertension. Lorsque la tension monte, c'est un message. Et le message, il faut l'avoir pour pouvoir régler le problème. Mais lorsque tu prends le message pour le problème, c'est foutu. Sur cette plateforme, vous savez déjà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que l'hypertension n'est qu'un signe. Un signe qui est un message. Et qui veut dire qu'il y a des obstacles sur le chemin. Si vous supprimez le message, vous n'avez plus l'information. Parce que vous savez, guérir, c'est l'information qui guérit, ce n'est pas l'argent. Si vous supprimez le message, c'est fini. Des fois, au lieu de supprimer le message, on supprime le messager, c'est-à-dire la personne qui est envoyée pour livrer le message. Ce n'est pas seulement dans tuer, pas libérer, vous avez vu tout à l'heure, mais c'est exactement aussi dans tout ce que nous rencontrons, qui sont que des signes, et ces signes ne sont que des messages. L'hypertension n'est qu'un message, un signe.
pas un problème. Et d'ailleurs, si vous le considérez comme ça, c'est d'ailleurs une solution à un problème. Malheureusement, on nous apprend à supprimer le message. Comme dans la douleur, on supprime la douleur. Quand tu supprimes la douleur, l'information n'est pas. Quand tu supprimes le messager aussi, l'information n'y est pas. Je commence par ceci. Le grand messager de notre corps s'appelle le cerveau, qui a des connexions qu'on appelle les nerfs. On va y venir et vous allez voir. Qui peut me rappeler ce que c'est que la vie chez l'animal ou chez l'homme? Reprenez un peu la question, s'il vous plaît, docteur. Qui peut me rappeler à quoi tient notre vie animale ou humaine? Qui peut nous rappeler à quoi tient notre vie humaine ou animale? Allô, la salle, envoyez votre réponse par écrit ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Allez-y. Ici, c'est donner et recevoir. Hein? Donc, envoyez vos réponses. Il y a déjà une réponse qui est là. C'est notre vie humaine. On a dit notre vie humaine tient à la circulation sanguine et l'oxygène. C'est Fousé Niwahidou. Il y a à Georgie, et Georgie plutôt, qui dit par la respiration, entre parenthèses, oxygène. Il y a Amana qui dit « La vie, c'est une bonne circulation sanguine bien oxygénée. » Il y a Kossi, Thierry qui dit… Ils ont tous raison, mais on va refaire le truc autrement. La réponse y est, mais ce n'est pas précis. Certains sont très précis, d'autres pas. Et on va Oui. Ok, Agbenou qui dit « L'oxygène et la circulation sanguine. » Elle n'a pas tort, mais elle devait être plus précise. Donc, je vois que presque tout le monde donne la même réponse. Hein. Il y a aussi... Il y a certains qui ont donné la bonne réponse. Il y a Ignacio Gali qui dit « à une circulation sanguine fluide, sans caillot et à l'oxygène. » Oh. Il y a Negban qui dit circulation et oxygène. Bien, je vais revenir sur ceci. On va faire un peu de vocabulaire. Et qu'est-ce qu'on appelle l'essence de quelque chose? Essence. Essence de quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle l'essence de quelque chose? Oui. Alors, on nous renvoie une autre question. Qu'est-ce qu'on appelle essence? Qu'est-ce qu'on appelle essence? Quelqu'un a envoyé ce qui fait la chose. Oui, mais ce qui fait la chose peut être parmi beaucoup d'autres choses qui font la chose. Donc, ce n'est pas précis, c'est vrai, mais ce n'est pas précis. Alors, la salle réagissait. Il y a Nicodémos Ignacio qui dit l'origine ou la source de la chose. C'est dit, mais ça pouvait être mieux dit. Ce n'est pas très précis. Fatih Kourouma qui dit ce sens quoi la chose ne saurait exister. C'est ça. Bravo à Fatih Kourouma. Oui. Ce sans quoi la chose ne saurait exister. Je répète. L'essence de quelque chose, c'est ce sans quoi la chose ne saurait exister. Donc, la vie animale. Allô, docteur. L'essence, quoi? Allô, docteur. Oui. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, Athanase Diédiou. Allô, monsieur Athanase, vous êtes en ligne?
Athanase Diédhiou, oui, il est sénégalais. Athanase. Athanase. Bon, je ne sais pas, je demande, c'est le primordial, ce qui est primordial. Ce qui est primordial. Voilà. Là, c'est un peu ce qui fait la chose, ce sans quoi la chose ne saurait exister. Pas primordial. Quand tu dis primordial, c'est qu'il y a beaucoup d'autres et que ça couine. Mais ici, sans cette chose-là, l'essence, c'est que sans ça, la chose n'existe pas. Ou alors, c'est indispensable, peut-être aussi. Non, indispensable, non. Quand tu dis indispensable, on a besoin de la chose. C'est pas pareil. C'est-à-dire, dès que vous supprimez l'essence, la chose n'existe pas. C'est ça qu'on appelle essence. Et l'essence de la vie animale, j'espère, les gens ont déjà presque donné la réponse parce que j'ai posé la question. Qu'est-ce qui fait la vie animale ou humaine? Les gens ont répondu, la circulation sanguine. Et quand je pose la question sur la vie animale ou humaine, sur l'essence de la vie animale, ce serait encore la circulation sanguine. C'est-à-dire que si le sang s'arrête de circuler, c'est la mort de l'organe ou de la partie où le sang s'est arrêté de circuler, ou c'est la mort de la personne. Sans la circulation, il n'y a pas de vie. Donc l'essence de la vie humaine, c'est quoi? C'est la circulation sanguine. Ça, vous devez le noter et le garder en vous. L'essence de la vie animale ou humaine, c'est la circulation sanguine. C'est-à-dire, si vous supprimez la circulation sanguine, il n'y a plus de vie. C'est la mort. Maintenant, les gens ont donné les réponses, ils ont mélangé tout. Je repose la question alors. Maintenant, quand nous savons que l'essence de la vie est la circulation sanguine, quel est l'essentiel de la vie? Si nous savons que l'essence de la vie animale et humaine, c'est la circulation sanguine, quelle est donc l'essentiel? L'essentiel. Quel est donc l'essentiel? Allô, la salle, vous avez la parole. Ah, je peux le dire autrement, c'est l'essence, l'essentiel, c'est l'indispensable de l'essence. Oui. Si vous pouvez le comprendre comme ça. C'est ça. Il y a un leader qui a déjà la main en l'air. Il s'agit de qui? Donnez-lui la parole. Raphaël Zié. Allô, leader Raphaël Zié. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà, donc l'essentiel... C'est parce qu'on a dit la vie, c'est la circulation sanguine. Oui. Maintenant, la circulation sanguine, quand elle s'opère, c'est pour quelque chose, c'est pour un but précis. Oui. C'est ce but-là qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'oxygène que la circulation sanguine permet d'apporter. Bravo. La réponse est sans embâche. L'essence de la vie animale ou humaine, c'est la circulation sanguine. Mais l'essentiel de la vie animale ou humaine, c'est l'oxygène. Donc, vous voyez, si l'essence disparaît ou l'essentiel disparaît, la vie n'existe plus, c'est la mort. Que ce soit
chez un bien portant, que ce soit chez un malade, la mort ne surviendrait que lorsque l'essence ou l'essentiel disparaît. Donc vous voyez que les problèmes qui doivent conduire à la mort ne sont que deux, l'essence et l'essentiel. Et c'est pour cela que tout ce qu'on nous raconte comme maladie qui existe de par le monde, que les gens racontent, que ce soit chinoise, occidentale ou autre, le son ne vient que des deux là, de l'essence et de l'essentiel. C'est pour ça que j'ai dit, tous nos problèmes dans la vie viennent de deux malessences. C'est un mot que j'ai inventé qui s'écrit M-A-L, essence, en un seul mot. Malessence. Il n'y a que deux. Soit l'essentiel manque, soit l'essence manque, soit une combinaison des deux. Bref, il n'y a que deux malessences. Et quand l'essentiel diminue, parce que nous ne sommes pas réunis ici pour parler de la mort c'est quand les deux manquent. Le problème c'est que les deux peuvent diminuer. Et c'est ça qui pose le problème des deux malessences, des deux souffrances traînantes, chroniques, que toute la société, toute la médecine, toutes les maladies qu'on donne résument. La médecine devient simple. Soit c'est l'oxygène qui baisse, on appelle ça acidose. Soit c'est la circulation qui baisse, on appelle ça coagulation. Je reprends. De tous nos problèmes de santé, on ne peut tirer que deux éléments essentiels. L'essence, qui est la circulation sanguine, l'essentiel qui est l'oxygène. Donc, aucune autre maladie, aucun autre problème de santé ne viendrait d'autre chose que des deux-là. Et c'est pour ça, ces deux-là, je les ai appelés malessence. Et il n'y en a que deux, l'acidose et la coagulation. Le mot malessence n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé. Vous savez, la communication est quelque chose de très important parce que c'est ça qui permet l'information. Mais si l'information qu'on vous donne est floue, biaisée, vous savez que tout ce qui est flou cache un loup. Si l'information est biaisée, vous êtes perdu. Et toute la médecine et tout ce qu'on a, on soigne, que ce soit urgemment ou aigu ou de façon traînante, ne viennent que de ces deux-là. Regardez, quand on ramasse quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On lui place l'oxygène, on lui met une voie veineuse. Pourquoi? On doit entretenir la circulation, on doit lui donner de l'oxygène. Tout n'est que ça. Rien d'autre. Donc, dans les maladies chroniques aussi, c'est pareil, seulement ça se fait doucement, au lieu que ça soit brutal ou aigu, ça se fait doucement. Toute la vie est résumée comme ça. On n'a que deux malessences, l'essence et son essentiel, c'est-à-dire l'acidose et les problèmes de coagulation. Bref, si vous prenez ce qu'on appelle en médecine la triade de la mort, vous allez retrouver encore ça dedans. Où il y a les problèmes de coagulation, surtout pour ceux qui saignent,
où il y a les problèmes d'acidose. Et puis, quand les deux là ont des problèmes, c'est-à-dire qu'on perd du sang, il y a la froideur qui l'accompagne. C'est ça qu'on appelle la triade de la mort, que les anesthésistes réanimateurs connaissent très bien. Les gens vous diront, je ne sens plus mon pied se refroidit. Oui, quand tu commences pas à avoir ça et que tu vois qu'il y a des problèmes de coagulation et qu'en plus la personne est en acidose, surtout métabolique, avec un pH très inférieur à 7, vous savez d'emblée que la mort est proche. Passons. Mais je vous le résume, il n'y a que deux problèmes. Notre santé n'a que deux problèmes. Le reste, on se nous. Tous les noms qu'on nous donne en médecine ne viennent que de ces deux problèmes-là. Et je les ai appelés malessence. Si vous allez dans notre culture africaine, ou bien les gens du Golfe de Guinée, puisque les mots M-O-T, non, les mots M-A-U-X du corps, on a vu l'autre fois, il y a 3 semaines, sont les mots M-O-T de l'âme. On consulte d'abord l'âme pour vérifier certaines choses. Ça s'appelle dans le Golfe de Guinée le FA. Et vous allez voir que pour le FA, les deux premiers signes du FA, c'est le bain ou le obé et le yekou. C'est toujours les deux là. C'est-à-dire, le yekou qui est la femelle, qui est la fécondité, qui est tout, qui est la vie, c'est la circulation sanguine, et le bain, c'est l'oxygène. Vous voyez que, on revient, je vous sors des choses aujourd'hui qui vont vous surprendre pour que vous compreniez que, des fois, nos aïeux avec leur pratique sont trop en avance sur ce que nous savons. Il y a le moli et le di pour compléter le truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les deux premiers sont le bain et le yekou qui sont l'oxygène, respectivement, et puis la circulation sanguine. Et le yekou est la femelle, la fécondité et tout le reste. Et qui peut signer aussi la mort. Vous voyez que l'arrêt de la circulation sanguine signe la mort. Comme lorsque la femelle est stérile, on ne peut pas faire des générations. Notre descendance est bloquée. C'est le yekou, ça. C'est une petite parenthèse pour que vous voyez que nous travaillons pour que nous ne soyons plus esclaves des autres. Ils amènent les mots, M-O-T-S, pour nous rendre plus esclaves mentalement. Et ça, nous avons été à leur école, on a appris, et il faut qu'on réadapte ce qu'ils nous ont enseigné. Maintenant, vous le savez, quand on dit qu'il faut faire le FA, il faut faire certaines choses, c'est de la science. La géomancie, les mathématiciens, ils travaillent beaucoup. Ce que je regrette, c'est que un jour, c'est les Occidentaux qui viendront enseigner ça aux Noirs, malheureusement. Alors que c'est eux qui l'ont inventé. C'est leurs ancêtres qui connaissent ça. Passons. On a fait le truc, on a vu. On sait ce que c'est que la vie, on sait ce que c'est que la mort. On sait que l'essentiel de la vie, c'est la circulation sanguine. Je vais vous poser une question avant d'avancer. Est-ce que la mort est un drame ou un crime? Est-ce que la mort est un drame ou un crime? Alors la salle, c'est la question posée par Dr Jean-Paul Amégan. Est-ce que la mort, c'est un drame ou un crime? Levons la main et on vous donne la parole. Je vous rappelle que la salle est complètement pleine. Nous sommes sans bon voix, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés pour suivre la conférence sur même téléphone. Et donc, appelez vos proches, ceux qui veulent vraiment nous écouter, à aller sur notre page Facebook Global Vie Plus Sarle. Donc, la question est à vous. Et je crois que les réponses commencent déjà par venir. Il y a déjà
Il y a Aye Manana Misa qui dit « La mort, c'est un drame, à mon avis. » Il y a Aboudou qui dit « Un drame aussi. » Il y a Kwebu, Kofi et Teba qui dit « Un crime. » Il y a Thierry Kossi qui dit « La mort est une suite logique de la vie. » Il y a aussi Sechofia Vifa qui dit « L'information et l'oxygène n'est pas... » Ok, bon. Là, c'est une ancienne réponse. Donc, c'est ça, les réponses qui sont arrivées. Il y a Ed Jodzi qui dit « Ni l'un ni l'autre, c'est l'autre dimension de l'essence cosmique. » Voilà. Quelqu'un a levé la main. Oui. Il y a Raphaël Zé. Raphaël Zé, vous avez la parole. Oui, mon cher, merci. Le précédent a dit ce que je voulais dire, c'est ni un drame, ni un crime. Bien. La mort fait partie du cycle normal de l'existence. C'est-à-dire, lorsque tu vis, la seule chose qui est constante et qui attend toute vie, c'est quoi? C'est la mort. Oui. C'est la mort. Donc, ce n'est ni un drame en elle-même, ni un crime. Quand on dit drame, c'est le ressenti qu'on a, mais ce n'est ni un drame, ni un crime. Mais je vais reposer la question autrement. Qu'est-ce qui est un crime alors? Sur la mort. Alors, si la mort n'est ni un drame, ni un crime, qu'est-ce qui est crime alors? Alors, la salle, vous avez la parole, réagissez. Qu'est-ce qui est crime alors? Il y a toujours Zier qui intervient. Allô, monsieur Zier. Oui. Et vous avez la parole. Oui, merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, la mort, ce n'est ni un crime ni un drame. Maintenant, par la suite logique, on va appeler crime lorsque volontairement, quelqu'un vient provoquer la mort, alors que de façon naturelle, elle devait venir. Vous comprenez très bien, je suppose que c'est toute la salle et tous ceux qui sont connectés qui comprennent ça comme ça. C'est-à-dire, c'est le fait de donner la mort qui est un crime. Ce n'est pas la mort qui est un crime. C'est le fait de donner la mort qui est un crime. Allô, docteur? Oui. Bon, il y a une réponse aussi qui est intéressante. La personne dit ici que le crime, c'est lorsqu'on met fin à la vie de quelqu'un. Oui, c'est clair. Lorsqu'on met fin à la vie de quelqu'un, lorsqu'on donne la mort, c'est un crime. Sauf dans certains cas où l'on suppose que la vie n'est plus possible et que la personne, de façon consentante, demande ça, c'est tout autre chose. Mais même jusque-là, dans nos sagesses, on refuse même de donner la mort. L'euthanasie n'est pas acceptée partout. Vous voyez, la mort en elle-même n'est pas un crime. C'est donner ça volontairement qui est un crime. Parce que la mort est un passage forcé. Ça viendrait tôt pour certains, tard pour d'autres. Certains, dans des circonstances de souffrance, vont l'avoir. Mais on peut mourir sans être malade. Je vous avais déjà démontré ça ici. Quelqu'un jeune, à la fleur de l'âge, 20, 25 ans, 18 ans si vous voulez, qui ne souffre de rien, qui n'a aucun problème et dont les bilans sont normaux. Si vous l'étouffez, vous lui enlevez l'essentiel, il meurt. Est-ce qu'il était malade? Non. De la même manière, vous prenez cette personne, vous l'étranglez, c'est-à-dire, vous lui enlevez l'essence de la vie, soit en l'égorgeant ou en l'étranglant, il meurt. Il n'est pas malade avant de mourir.
Donc, on ne meurt pas forcément parce qu'on est malade, non. Maintenant, lorsque la mort ne survient pas dans des conditions naturelles et que c'est provoqué, si je prends quelqu'un et je l'étouffe et il en meurt, je commets un crime. Si je prends quelqu'un, je l'égorge et il en meurt, je commets un crime. Ça, c'est les extrêmes entre la vie et la mort. La vie, c'est la circulation sanguine. La mort, c'est l'arrêt de la circulation. Maintenant, entre les deux, il y a la bonne vie où tout circule bien et les autres circonstances où la circulation diminue, diminue, diminue jusqu'à ce qu'un jour ça s'arrête. Tout ce qui est diminution de la circulation, tout ce qui est diminution de la circulation est une maladie forcément. Ça conduit à une acidose. Et tous les milieux de maladies dont on nous parle ne viennent que de la diminution progressive de la circulation ou de l'arrêt de la circulation, soit globalement, soit dans un organe. Un exemple que je vais vous donner, l'hypertension est le signe de la difficulté que le sang a à passer partout. Je reprends. L'hypertension est le signe de la difficulté que le sang a à passer partout sur votre corps. Pourquoi? Étant donné que le sang a des problèmes pour passer, le cœur force pour que le sang aille partout. Et ça, normalement, c'est les problèmes du chemin, c'est-à-dire des vaisseaux, qu'on doit régler. Et la pression, l'hypertension disparaît seule. Mais on préfère supprimer l'information et donner l'illusion à la personne de ne pas avoir l'information. Donc, sans nouvelle, bonne nouvelle, on le dit, mais ce n'est pas vrai. Quand on te donne des médicaments pour t'endormir, pour que tu ne vois pas les dangers, et tu crois que tu es en bonne santé, c'est tant pis. C'est pareil aussi quand on supprime le messager ou on supprime le message. J'espère que je me fais comprendre. Quelqu'un a levé la main? Oui, oui, nous attendons votre intervention pour lui donner la parole. Donnez Monsieur Abassa. Allô? Monsieur Abassa, oui, vous êtes en ligne. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend pour 5 sur 5. Oui, vous avez la parole. Merci, docteur, d'avoir organisé cette rencontre. Malheureusement, je viens de prendre le train en marche. Et je suis vraiment désolé de vous interrompre en pleine élaboration, mais je voudrais poser une question. Peut-être ça a été déjà posé, je ne sais pas, sur la douleur. On n'a pas encore abordé la douleur. Je suis dans la démarche pour vous montrer ce que c'est. On n'a pas encore abordé. On est petit à petit. J'amène les gens à avoir une démarche facile, scientifiquement, très terre à terre, pour qu'on puisse comprendre la douleur. Je ne suis pas encore arrivé à ça. D'accord. Donc, je m'abstiens pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Donc, quand vous aurez encore quelque chose à demander, bon, vous levez la main, on vous donne toujours la parole. Donc, docteur, vous pouvez continuer. Bien. Je continue mon développement. Donc, je vous dis que en dehors des extrêmes, c'est-à-dire le bec, où la circulation est maximum avec l'oxygène maximum, et le yep, qui peut signer paradoxalement son arrêt, il y a la diminution petit à petit et progressive de la circulation qui explique toutes les maladies que nous avons. Donc, quand la circulation diminue, c'est que l'oxygénation diminue aussi parallèlement.
Parce que le sang est le seul transporteur de l'oxygène dans nos organes. Maintenant, on va vous dire que conventionnellement, ce qui est enseigné, qu'il y a des maladies non douloureuses et il y a des maladies douloureuses. Mais si vous suivez ce que je suis en train de dire, dans toutes les maladies qui évoluent, qui s'aggravent, la circulation doit continuer à baisser. Je reprends. Vous avez un problème de santé, ça vient d'une baisse de la circulation. Mais cette baisse de la circulation peut s'aggraver, c'est-à-dire la circulation va diminuer petit à petit, ainsi de suite. Dans toutes les maladies sans exception, soit c'est l'oxygène qui baisse, soit c'est la circulation qui baisse. Mais quand la circulation baisse, forcément, l'oxygène aussi baisse. C'est ce que j'appelle les malessences. Vous voyez que la division que les gens ont souvent des problèmes de santé que nous avons en disant que certains problèmes sont non douloureux et d'autres sont douloureux, je vous dis, tous les problèmes évoluent de la même manière. Une diminution légère de la circulation et de l'oxygénation qui petit à petit traîne, qui continue et qui s'aggrave si on ne fait rien jusqu'à ce que ça ne s'arrête. Donc, dans toutes les maladies, si vous ne faites rien pour vous apporter de l'oxygène, pour vous améliorer votre circulation, ça va aller forcément vers la mort, quelle que soit la maladie. Ça, il faut le savoir. Je vous ai dit tout à l'heure ici que quelque chose qui est bien important, si je le couvre, sans ça, ça arrête de circuler. Pourquoi? Parce que sans oxygène, le sang se coagule. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les maladies, si on ne les règle pas, évolueront forcément vers la mort. Mais, suivez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup ici dans la salle parlent tout le temps de douleur, 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 douleur. Aujourd'hui, je vais vous enlever ces notions farfelues, floues, pour que vous ayez la quintessence de ce qui est la douleur. Pour ce faire, j'aimerais que vous me rappeliez ce que vous savez sur la douleur globalement, en français ou en médecine ou autre, ce qu'est une douleur communément connue, et partager ce qu'est une douleur. On va voir si c'est exact et je vais vous donner l'approche de mon travail, de ma découverte qui chamboule totalement la médecine. Merci docteur. Il y a déjà M. Abassa qui lève encore la main. M. Abassa, vous avez la parole. Allô, vous nous attendez, Monsieur Abassa? Oui, merci. Oui. Avant peut-être d'aborder la douleur, j'ai une question à poser sur la définition que le docteur a donnée sur l'hypertension. Le docteur a dit c'est la difficulté qu'a le sang de circuler normalement. J'ai pas dit c'est la difficulté, j'ai dit c'est le signe. Le signe, excusez-moi. Hein? Donc, l'hypertension, c'est un signe que le sang ne circule pas et normalement. Le sang a des difficultés à circuler. Alors, ma question, c'est comment expliquer que, il y a des personnes dont on suppose que le sang circule normalement, mais que ces personnes-là, suite à un événement qui leur cause du souci, du stress, deviennent hypertendues du jour au lendemain. Vous voyez, vous posez une question qui n'est pas l'objet de notre partage. Si quelqu'un avec des soucis se retrouve avec une hypertension, c'est que ces vaisseaux ont des problèmes depuis, mais ils ne savaient pas.
Avec les soucis, les vaisseaux se rétrécissent. Avec le stress ou bien une peur et autres, les vaisseaux se rétrécissent. Avec ce que les gens appelaient à tort une douleur morale ou émotionnelle ou une dépression, les vaisseaux se resserrent. Et quand les vaisseaux se resserrent, le sang a des difficultés à passer parce qu'il y avait déjà des problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est le stress qui a créé l'hypertension, non. C'est qu'il y avait des problèmes déjà parce que normalement les vaisseaux sont compliants, c'est-à-dire c'est tellement souple que ça ne peut pas, à cause d'une émotion ou d'un stress, faire monter la tension. Mais imaginez que les parois soient difficiles, soient dures, c'est-à-dire avec des plaques d'athérome et autres dedans. Et en plus de ça, vous avez un stress et autres, ça se resserre. Conséquence, le cœur doit forcer plus pour que le sang aille en périphérie. Ça ne veut pas dire que c'est le stress qui l'a causé, non. C'est qu'il y avait un autre problème avant. C'est un signe qu'il y avait des problèmes avant. Même si vous n'avez pas la tension avant, le sang circulait mal. Il faut chercher à voir si de temps en temps vous n'avez pas des crampes, si de temps en temps vous n'avez pas d'autres douleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas l'objet du partage sur l'hypertension. J'ai déjà fait des partages. Si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez ces partages là-bas. Ce n'est pas l'objet du partage pour l'hypertension. Mais je vous le dis comme ça. Le stress, l'émotion, quand ça fait monter la tension, c'est que vos vaisseaux avaient déjà des problèmes. Sinon, ça ne peut pas faire monter la tension. Si vous avez un peu de notion de physiologie, vous comprendez ce que je dis. Il y a un truc qu'on appelle compliance des vaisseaux. Si c'est correct, il n'y a pas de plaque d'athérome, les vaisseaux ne sont pas devenus rigides et autres, la tension ne monte pas. Et ce que je vous dis une vérité scientifique, peut-être qu'il n'est pas souvent partagé, ou bien qu'on considère comme trop compliqué à expliquer, mais c'est terre à terre. Voilà. Ok, merci docteur. Je crois que la question que vous avez posée, les gens commencent déjà à répondre à cette question. Oui. Concernant la douleur, il y a Christophe qui nous dit la douleur, c'est avoir mal à un endroit. Il y a Pebou Kofi Eteba qui nous dit la douleur est une sensation pénible ressentir à une partie d'un corps. Vous voyez? On dit sensation pénible, avoir mal quelque part. Sensation pénible. Mais je vais vous dire ceci. C'est un état pénible d'un mal physique. La douleur, dans la définition, si on prend ça simplement, en écartant les synonymes comme affliction, malheur, tristesse, tourments et autres, tout ce qui peut être supposé psychologique, que j'écarte, parce que ce ne sont que des souffrances, une douleur est un état pénible venant d'un mal physique. Je reprends. Tout ce qui est synonyme, écartez ça. Je vais vous démontrer aujourd'hui que il ne peut pas y avoir de douleur psychologique, émotionnelle, comme on a l'habitude de raconter tout ce qu'on veut partout. Il y a même des gens qui disent « j'ai une douleur anodine ». Un non-sens que les gens répètent tout le temps. Vous allez voir. Vous savez, quand j'ai découvert la pharmacologie, et je voyais que sur beaucoup de choses médicalement, dans beaucoup de domaines, on cite la douleur, que ce soit sur le plan pulmonaire, cardiaque, cérébral, locomoteur et autres, abdominal, douleur, 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 douleur. Alors, quand j'ai découvert la pharmacologie qui me permet d'accéder à la vérité, je me suis mis à poser des questions. Y a-t-il plusieurs douleurs sur l'humain? Le test me dit non. Il n'y a que la douleur, une seule. Ok. S'il n'y a qu'une seule douleur, la douleur au pied,
est la même chose que la douleur au cerveau? Je ne veux pas dire les conséquences. Je veux dire, est-ce que la douleur au pied, la douleur au bras, la douleur au ventre signifie la même chose que ce que j'ai au cerveau et au cœur? Le test me dit oui. Et c'est là que j'ai commencé par chercher. Et comme on le dit, qui cherche, trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vérifié que tous les problèmes de la vie venant de la baisse de la circulation, sûrement, ça devait avoir un lien. Et dans mes travaux, mes questionnements, j'avais constaté que lorsque la circulation baisse, jusqu'à perdre environ 80% de son potentiel, ou lorsque l'oxygène transporté perd 80%, à partir de ce moment, la douleur apparaît. Ce qu'on appelle douleur, cet état pénible physique que l'on vit n'apparaît que lorsque l'oxygène a baissé de 80% au moins, ou lorsque la circulation a baissé de 80% au moins. Mais puisque dans notre corps, c'est le sang qui transporte l'oxygène, lorsque l'oxygène baisse de 80% quelque part, c'est que la circulation aussi a baissé de 80% là-bas. Et pour le prouver, c'est simple. Hein? Prenez. Bon, je vais vous poser une question avant qu'on continue. Quand vous tapez quelqu'un, c'est dans quel but? Lorsque il vous vient de taper quelqu'un, quel est le but? Quand vous tapez quelqu'un, quel est le but? Qu'est-ce que vous voulez faire sentir à la personne? Allô, la salle? Répondez, réagissez. Il y a quelqu'un qui dit déjà lui faire mal. Donc, vous voyez, lui faire mal, ça veut dire lui donner une pénibilité physique. C'est pourquoi on le tape. Mais en le tapant, qu'est-ce que vous faites en réalité? Il y a des gens qui ont levé la main. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Infinix, sur le premier, c'est Infinix, la personne n'a qu'à s'identifier. Infinix. Oui, là, il nous donne son identité. Puisqu'il n'a pas besoin. Allô. Il y a Infinix S4. Activez votre micro, s'il vous plaît. Infinix S4. C'est Monsieur Amoussou Habib. Oui, présentez-vous. De quel pays? Du Bénin. Ok. Allez, en fait, on l'empêche de s'exprimer. Quand on le tape, on l'empêche de s'exprimer, selon moi. Donc, quand vous tapez une partie de quelqu'un ou vous tapez la personne, vous lui cognez une partie. On amène à réagir alors. Ce que vous dites n'est pas faux, mais ce n'est pas dans le contexte de ce que nous exprimons ici exactement. Ok. Oui, ce n'est pas faux. Ok. Il y a Ketecheba. Ketecheba. Alors, il dit Ketecheba. Ketecheba grâce. Activez votre micro, s'il vous plaît. Quand on tape la personne, c'est pour qu'elle se redresse. Oui, ça, c'est ce que nous pensons tous. Mais quand tu tapes la personne, c'est pour lui donner une douleur physique. C'est-à-dire un ressenti physique qui lui fait mal, pénible. Alors, en le faisant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui amène cette douleur pénible-là quand tu tapes la personne? Oui, M. Zier? Alors, Lida Zier, vous avez la parole? Oui, lorsqu'on tape la personne, à l'endroit précis où le coup arrive, et au moment où le coup atteint l'endroit, il y a arrêt de la circulation. Bravo. Vous voyez que quand vous tapez le mur,
Le mur n'aura pas de douleur. C'est vous qui allez avoir la douleur. Mais quand vous tapez quelqu'un, vous faites une compression de la zone. Vous comprimez la zone d'un coup. En comprimant la zone, vous pouvez aller jusqu'à couper la circulation et faire saigner la personne. En fait, quand on tape quelqu'un, c'est pour lui faire mal. Lui faire mal, ça veut dire quoi? Comprimer la zone pour que le sang ne passe plus. D'ailleurs, quand vous voyez les boxeurs sur les rings, c'est ce qui fait que les gens tombent KO. On lui donne un coup au point où le sang s'arrête de circuler et la personne tombe. C'est exactement la même chose. Mais ici, quand on tape quelqu'un, c'est pour lui faire le minimum, c'est pour lui faire mal. Lui faire mal veut dire comprimer les vaisseaux de la zone pour qu'instantanément le sang ne passe plus. Vous pouvez le vérifier. Regardez. Regardez ce que je vais faire. Vous pincez votre peau. Si vous pincez votre peau lâchement, vous n'aurez pas de douleur. Si vous pincez votre peau lâchement, vous n'aurez pas de douleur. Mais si vous le pincez fortement, au début, vous n'avez pas la douleur, mais quelques temps après, la douleur apparaît. Et ça, vous pouvez le faire. Pincez votre peau. Pincez la peau. Si vous pincez ça lâchement, il n'y aura pas de douleur. Mais si vous pincez ça de façon serrée, au début, il n'y a pas de douleur, mais quelques temps après, vous allez avoir cette sensation pénible-là, physique. Qui fait quoi? C'est-à-dire que vous supprimez la circulation, vous baissez la circulation de façon brutale, au point où les cellules qui sont dans la zone sont en souffrance. Et c'est ce que vous ressentez comme douleur. Je viens de vous dire que cette douleur-là n'apparaît réellement que lorsque la circulation a baissé de 80% au moins. Donc, vous voyez que si nous devons définir la douleur vraiment, c'est le cri de toute partie ou du corps entier nous disant ou nous alertant qu'il manque d'oxygène. Donc, c'est un cri de manque d'oxygène. Je reprends. La douleur qu'on ressent est un problème qui est secondaire à une baisse de moins 80% de la circulation. Le ressenti qu'on appelle douleur, en fait, c'est un cri de manque d'oxygène. Et ça, ce n'est que physique. Ça ne peut pas être psychologique, ni émotionnel, ni autre. C'est pour ça que je dis, en psychologie, on dit plein de choses sur la douleur et autres. Ce ne sont que des souffrances. Ce ne sont que des afflictions. Ce ne sont que des tristesses, des malheurs. Ce ne sont pas la douleur. La douleur vraie est un cri de manque d'oxygène qui vous démontre que il y a péril en la demeure. Si tu ne fais rien, la partie va mourir ou bien c'est toi qui vas disparaître. Donc, vous voyez, lorsque la circulation baisse, il y a toutes les maladies qu'on peut dire non douloureuses et autres, ainsi de suite, mais dès que cela baisse de moins 80%, la douleur apparaît. Pour te dire, si tu ne fais rien, il y a péril en la demeure. Seulement, les douleurs n'ont pas les mêmes valeurs partout. La douleur au pied est la même chose que la douleur au cerveau. C'est la même chose que la douleur au cœur. C'est la même chose que la douleur dans le ventre. Que ce soit chez la femme enceinte ou la femme normale, que ce soit chez le jeune ou le vieux, tout est pareil. Et douleur veut dire cri de manque d'oxygène. Et qui dit cri de manque d'oxygène quelque part, ça veut dire quoi? Il y a problème de circulation. C'est pour ça que des fois, quand vous avez mal, qu'est-ce qu'on fait? On tape la partie, on frotte un peu, et puis ça disparaît. Pourquoi?
en tapant, en frottant, on force la circulation et ça s'améliore un peu. Les massages et autres aussi font ça. Mais de même, le drépanocytaire qui a des problèmes de circulation en permanence. Vous comprenez pourquoi le drépanocytaire est abonné constant à la douleur? Parce que son sang circule mal, parce que les globules s'agglutinent, parce que les cailloux sont là. Donc, douleur veut dire cri de manque d'oxygène. S'il y a cri de manque d'oxygène, ça veut dire que la circulation est mauvaise. Et pour régler ça, rétablir la circulation. Donc, vous voyez que si tout ce que j'ai dit là est compris, Dieu nous a donné la vie, la plénitude de la vie avec la circulation et tout le reste, et la mort, qui est l'arrêt de la circulation, où on ne sent plus rien. C'est-à-dire, s'il y a mort quelque part, où vous-même vous êtes encore vivant, ça s'appelle gangrène. Lorsque les vaisseaux sont détruits quelque part et le sang ne va plus, on n'a plus de douleur là-bas parce que la vie disparaît de là. Si c'est au niveau du cœur, la douleur qui vient avant, parce que le tuyau est bouché, est appelé angine de poitrine. Mais ça peut s'accompagner de la mort d'une partie du cœur qu'on appelle infarctus. Parce que la partie qui doit être nourrie a eu des problèmes. Au niveau du cerveau, c'est pareil. Lorsque la circulation baisse arrive à un moment, on fait un AVC. Mais des fois, les gens avant l'AVC, ils ont des maux de tête et puis plaf. Donc, vous comprenez, la douleur, que ce soit au niveau de la tête, des yeux, du bras, des testicules ou dans le ventre, le cœur, les reins, aux pieds, la douleur signe toujours quoi? Un arrêt ou une diminution de plus de 80% de la circulation dans la zone. Ce qui suppose que lorsqu'il y a douleur, les yeux fermés, on doit donner quoi? Nous avons des leaders ici qui le savent. Lorsqu'il y a douleur, et nous comprenons maintenant que douleur veut dire arrêt de la circulation, baisse drastique de la circulation, qu'est-ce qu'on doit donner pour soulager la douleur? Allô, la salle, on vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va donner pour soulager la douleur? Il y a anticoagulant, c'est donné par le tir. Non, vous êtes bon. C'est ça, la douleur. Il y a Kachiatou aussi qui dit Vitamax. Oh, lui, il va directement dans l'AIM. Mais quand il dit seulement Vitamax, il va directement dans l'AIM. Mais Vitamax seul ne suffit pas aussi. Pourquoi? Parce que ça dissout les cailloux. Il faut ajouter autre chose. On en parlera. Quelqu'un a déjà répondu, Collet 12, vous êtes trop bon ici. Collet 12, pour aider, mais est-ce que Collet 12 et Vidamax seul suffisent? Non. Il faut penser à autre chose aussi. Puisque nous savons que lorsque l'oxygénation baisse, le sang se coagule. Si vous donnez des trucs pour dissoudre les cailloux, vous permettez à ce que la circulation soit laminaire, il faut donner autre chose aussi. Quelqu'un a dit c'est suprême, bravo à vous. Quelqu'un a dit complète, bravo à vous. Quelqu'un a dit c'est 24, bravo. Vous êtes des santé saints. Vous comprenez maintenant que ce ne sont pas des antalgiques et des anti-inflammatoires qu'il faut donner, mais donner ce qui fait circuler le sang. Bravo, bravo et encore bravo à vous. Vous avez vraiment compris le mécanisme. Ce qui veut dire que la douleur est un cri de manque d'oxygène qui signale que le sang ne circule pas, qu'il faille faire circuler le sang, qu'il faille oxygéner la partie. Voilà en gros ce que vous devez retenir. Et maintenant, regardez. Quelqu'un qui a des vaisseaux en mauvais état, qui a des cailloux sur lui, qui ne sait pas. Voilà qu'un malheur arrive. Et il est stressé.
il est angoissé et autres, il va avoir des douleurs. Et les gens croient à tort que c'est le stress là, c'est le problème là qui a créé la douleur. Non. Ce qu'il y avait anguille sous roche. C'est pour ça que je me suis permis de dire que les douleurs dites psychologiques, émotionnelles et consorts n'existent pas. Ce ne sont que des souffrances. Lorsqu'une douleur apparaît, c'est qu'il y a un problème de circulation. Sans problème de circulation, il n'y a pas de douleur. Et c'est pour ça que je me permets de dire que la douleur n'est que physique. Ça ne peut pas être mental ou autre. Vous comprenez avec moi pourquoi je le dis maintenant? On peut avoir une souffrance mentale. On ne peut pas dire qu'on a une douleur mentale. Et ça, je défie quiconque de me prouver le contraire. Maintenant, toutes les douleurs, pour peu que ça se situe sur notre corps, et peu importe les parties, non, et selon les parties, les douleurs n'ont pas la même signification et n'expriment pas le même degré de danger, dangerosité vitale que cela pouvait donner. Ça, oui. Mais qui dit douleur, partout où il y a douleur, c'est qu'il y a problème de circulation. Donc, pardon, pour vous qui êtes connectés, qui êtes ici, vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut plus parler. Vous parlez de douleur mentale, de douleur psychologique, de douleur émotionnelle, c'est de l'aberration. C'est une aberration. Et ça floue le truc. Or, vous avez compris, même si cette douleur-là est dite émotionnelle, psychologique, si vous faites un anticoagulant, la douleur va disparaître puisqu'il y a des problèmes de circulation. Donc la douleur est un truc physique et je la définis comme un cri de manque d'oxygène, un cri qui témoigne du fait que la circulation se fait mal là où la douleur est localisée. Maintenant, la douleur nous donne une information. La douleur est un message qui nous donne une information, qui est une baisse de la circulation. Mais le messager, c'est quoi? C'est les nerfs. Je reprends. Le messager est le nerf. Le message, c'est le cri de manque d'oxygène. L'information, c'est la baisse de la circulation. Vous voyez que si on veut supprimer la douleur, le ressenti, on peut soit supprimer le message, soit supprimer le messager, soit interdire l'information, c'est-à-dire régler le problème, c'est-à-dire régler le problème apporté par l'information. Donc, un, on peut soit supprimer le message parce que quand tu ne vois pas, on joue à l'autruche. Supprimer le message, c'est jouer à l'autruche, en fait. Ou bien, on supprime le messager. Ou, troisièmement, on règle le problème de l'information. C'est les trois possibilités. Mais la possibilité la meilleure, la solution la meilleure, c'est de régler le problème apporté par l'information, c'est-à-dire la baisse de la circulation, c'est-à-dire la coagulation locale ou générale. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Avec les médicaments, la plupart du temps, on élève le seuil de sensibilité des nerfs, ou bien soit on supprime les nerfs, on demande aux nerfs de se taire. On appelle ça anesthésie
Quand on demande au maire de se taire, ou bien on supprime le messager, ça s'appelle anesthésie, qui peut être soit générale, soit locale, ou bien on supprime le message parce que le messager criait trop, on donne des antalgiques, des analgésiques, et le ressenti diminue. Mais le problème, c'est-à-dire l'information que donne le message, n'est pas touchée. Si vous voulez le régler véritablement, c'est permettre la circulation. Donc, c'est permettre une circulation meilleure et fluide, c'est-à-dire donner fondamentalement un anticoagulant. Que ce soit au niveau du cerveau, du cœur, du rein, partout, c'est la même chose. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. On préfère supprimer le messager ou supprimer le message. Vous avez compris avec moi aujourd'hui que tout ce qu'on nous raconte comme douleur, 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 ne sont pas des douleurs, c'est des souffrances. La vraie douleur, c'est cet état pénible, physique, ressenti, qui en fait n'est qu'un cri de manque d'oxygène qui signifie qu'il y a péril dans la douleur parce que la circulation a diminué. Quand la circulation diminue, ça peut aller jusqu'à s'arrêter. S'arrêter, c'est la mort. La mort à un endroit, c'est une gangrène ou autre chose sur un organe, ainsi de suite, vous savez. Mais si c'est au niveau de la tête, au niveau du cœur, des poumons, vous voyez que ça signe notre mort. Mais au niveau du pied, le pied peut mourir, on peut aller l'amputer. Vous comprenez maintenant pourquoi on fait des amputations. C'est là encore, vous comprenez que lorsque vous êtes diabétique, par exemple, on vous dit que vous avez des neuropathies diabétiques, c'est-à-dire des plaies et autres, des trucs au pied où vous ne ressentez plus grand-chose. On vous dit que c'est les nerfs, vous comprenez avec moi que ça n'a rien à voir avec les nerfs. Le pauvre nerf n'est qu'un formateur. Le pauvre nerf n'est qu'un formateur. C'est toujours la circulation. Il y a une maladie que vous avez souvent et que tout le monde en parle régulièrement, c'est-à-dire les maladies rhumatologiques, la classique, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les sciatiques. La maladie sciatique, c'est-à-dire la lombosciatalgie ou la lombosciatique. Quand on accuse le nerf, et je viens de vous le dire, le nerf n'est qu'un messager. La douleur, ce cri de manque d'oxygène est un message. Mais l'information qu'on vous donne, c'est qu'il y a une baisse de circulation là où ça fait mal. Pour ceux qui parlent de sciatique, la douleur commence au niveau du dos. Et ça progresse dans la fesse. Ça va dans la cuisse, dans le mollet, et va soit vers le petit orteil ou le gros orteil. Mais le nerf est comme un fil électrique. Il n'y a pas de trou dedans. Rien ne bouge dedans. Lui n'est que messager. Ce qui peut bouger, c'est que le nerf, là, dans son trajet, est accompagné toujours de vaisseaux sanguins. Et dans les vaisseaux, le caillot qui bouge, qui bloque de façon progressive, ainsi de suite, fait déplacer les cris. Et pour ça, on prend le messager, on le termine. C'est comme, il y a un problème. Pour ceux qui sont au Sénégal, il y a un problème à Thiès. Et une télévision de Dakar annonce le problème. On supprime la télévision, on lui retire tout. Est-ce que ça règle le problème? Non. Pour ceux qui sont à Cotonou, il y a un problème à Parakou et une télévision de Cotonou l'annonce et on casse la télévision. Est-ce que ça règle le problème? Non. Ceux qui sont au Togo, je peux parler de Palimé, d'Atapamé, et les chaînes sont allumées. Pareil. Le nerf, c'est
l'informateur, c'est le messager. Le nerf n'a aucun problème. Ceux qui parlent de maladies, par exemple, sciatiques, doivent revoir leur langage. C'est pour ça que je dis, le langage, les mots, il faut revoir ces mots. Il y a des maladies qui sont un gros mensonge. L'hypertension est un mensonge. La sciatique est un mensonge. Alors que l'hypertension, évidemment, est un signe, un message. C'est-à-dire, c'est un signe d'une obstruction générale de la libre circulation sanguine. Vous voyez que la façon de penser les choses doit changer. Et si vous le pensez comme ça, l'hypertension, on ne peut plus vous dire que ça ne guérit pas. Ça guérit très bien. Et pour guérir, il faut guérir les vaisseaux, c'est-à-dire des anticoagulants. Un exemple entre autres. Et pour la douleur aussi, et les douleurs, vous devez savoir que on ne peut pas soigner les douleurs sans anticoagulants. Mais en même temps, des fois, on peut ne pas donner des anticoagulants directement. Puisque nous savons que lorsque l'oxygène diminue, le sang se coagule. Si tu augmentes l'oxygène, la circulation aussi s'améliore. Vous voyez, c'est imbriqué, c'est intriqué. C'est pour ça que les gens ont cité Vida, Collet 12, Complete et autres. Je suis content parce qu'il y a les C24, puisque ces aliments que vous avez cités, c'est de l'oxygène sous d'autres formes. Et vous savez ici avec AIM que nous mangeons de l'oxygène. Et c'est ce que nous devons manger, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Mais à chaud, devant la douleur, c'est les anticoagulants, d'où votre fameux Vida et le Collet 12. Et bien, d'autres le savent dans la salle que moi, je mets sous l'Ovenas ou je mets sous d'autres anticoagulants pour permettre à ce que la douleur passe. Et vous voyez, en sauvant la circulation, vous sauvez la vie, vous améliorez la maladie. Il ne devait pas avoir de traitement de maladie sans anticoagulant, puisque vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas de maladie sans caillot. Je répète, ça vous surprend. Il n'y a pas de maladie sans caillot. Ce n'est pas possible. Un organe qui est malade veut dire que le sang circule mal dedans. Le sang circule mal dedans, ça veut dire qu'il y a des caillots dedans. Peut-être qu'on n'a pas les moyens d'aller seulement dans cet organe-là, mais vous comprenez très bien maintenant. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que la vitamine C joue le rôle d'anticoagulant aussi, puissant anticoagulant. Et Dieu sait que l'AIM a une vitamine C imbattable, la C suprême. C'est imbattable. Et ce n'est même pas la peine de la comparer avec ce qui est sur le marché de synthétique. Ça ne sert à rien. Mais maintenant que vous savez que c'est les anticoagulants qui vont être utilisés, nous avons tout dit que la vie a pour essence la circulation sanguine, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, et pour essentiel l'oxygène. J'ai un collègue vétérinaire qui est ici connecté et qui, ayant compris ça, a commencé par appliquer la même chose chez les animaux, chez les canins, c'est-à-dire les chiens et la famille des chiens. C'est un chirurgien. Je vais, s'il est possible, s'il est connecté, je vais demander à ce que le GR Fabrice donne la parole à Papa Armand, le docteur Armand Senou, pour qu'il nous raconte un peu son expérience sur l'utilisation des anticoagulants chez les canins, c'est-à-dire chez les chiens ou autres. Allô?
Allô, apparemment. Vous nous attendez? Allô, docteur? Oui. Vous nous attendez? Oui, je vous entends très bien. Papa Armand. Papa Armand, oui, je le vois connecté. Il n'a qu'à activer son micro. C'est le docteur micro. Armand Senou. Il va partager son témoignage, son expérience sur la gestion de la douleur avec les anticoagulants. Allô? La cabine, aidez-nous. Papa Armand. Son micro est toujours coincé. On a mis sur son écran TG174. Donc, activez-lui ça. D'accord. Donc, la cabine téléphonique va nous aider, la cabine technique plutôt. La cabine est en train de nous aider. C'est bon? Jusque-là, son micro est toujours fermé. Oui, c'est quoi son nom? C'est quoi le nom de... Devant son écran, c'est TG-174-Sénégal. TG-174-Sénégal. Je le vois, moi je le vois là, mais bon, il faut l'aider à activer son micro. Ok, papa Armand, activez votre micro, maintenant c'est fait. Oui, oui. Ça y est, c'est bon maintenant. Bonjour docteur. Bonjour papa, comment ça va? Alhamdulillah, ça va bien. J'ai tellement bien apprécié ton développement sur la douleur et ça fait longtemps que je m'étais engagé dans ça. Et ma petite expérience récente d'ailleurs, le 28 janvier dernier, je suis allé au Cap Sérine pour faire une ablation d'une tumeur sur la patte d'un chien. Tout s'est bien passé jusqu'au jour, une semaine après, mon confrère qui est à Ziguinchor a été revoir le chien et après cela, il lui a enlevé le pansement que j'avais fait et lui a mis un autre pansement. Mais ce pansement était tellement... Ça s'est passé le vendredi après. Le pansement était tellement serré, comprimé, que ça comprimait le pied. Et au finish, l'animal a commencé à avoir mal tout doucement le vendredi, samedi. Ils m'ont rappelé que le dimanche pour me dire que l'animal hurle, gémit. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, tout allait bien. Alors, je leur ai dit, il faut que vous trouviez du Lovenox au Cap Skirring. Ça, débrouillez-vous, allez à Ziguinchor, faites ce qu'il faut faire pour mettre le Lovenox. Et la dame a accepté, elle a trouvé du Lovenox, elle a trouvé du 4000, j'ai dit, c'est pas important, prenez une boîte, mettez-lui les deux ampoules immédiatement. Ce qu'elle a fait, et je vous assure, quelques heures après, environ 5 heures après, le chien a arrêté d'hurler. Lui qui ne pouvait pas marcher, qui était couché, paralysé, il s'est relevé. Et j'ai dit, voilà, j'ai aussitôt appelé papa, docteur Abega, pour lui exprimer ma satisfaction parce que je suis devenu un dieu pour ces gens-là. Alors que je n'ai rien fait de particulier. J'ai simplement utilisé la notion que la douleur est un manque d'oxygène, une mauvaise circulation. C'est tout. Voilà l'expérience à laquelle je voulais faire participer. Mais, merci. On peut. Merci, utiliser... merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous rappelle que Papa Armand, c'est un docteur, un vétérinaire. Donc, merci pour cette expérience partagée. Docteur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette expérience? Vous voyez que la douleur, ce que sentent les animaux, ce n'est pas une histoire de psychologie. Et le docteur l'a dit, le pansement a été tout compressif. On a comprimé. C'est comme on donne un coup qui bloque la circulation. Vous voyez, il a tellement bien décrit que vous comprenez.
Ce que nous apprenons ici, c'est pour la vie animale et humaine. Ça vaut pour les animaux aussi. Et c'est ce qu'il a, dès qu'il m'en a parlé, j'ai dit, bon, si je le vois en connexion aujourd'hui, je vais le surprendre. Et voilà, il nous donne le témoignage. Je suis sûr que ce n'est pas le seul. Il a d'autres expériences. Maintenant, j'utilise les anticoagulants comme je n'en avais jamais utilisé, parce qu'on nous a toujours dit que c'était dangereux. Vous voyez, dans notre formation médicale, les anticoagulants sont la panique, la peur. Au point où le cardiologue, lui-même, il tremble. L'hématologue, pareil. Le chirurgien et consort, pareil. Mais il y a quelque chose de bien ici au Sénégal, que je suis arrivé, c'est qu'en traumatologie, systématiquement, après les fractures, on met les gens sous anticoagulants, systématiquement. Enfants ou adultes, ça se fait. Et j'ai trouvé seulement, ils n'ont pas poussé l'expérience plus loin. Ils se contentent seulement de le faire au niveau des autres, protocole. Or, il suffit d'y réfléchir un peu pour comprendre que la circulation permet une cicatrisation, une consolidation de l'os plus rapide que d'habitude. Bref, merci docteur Armand pour ce partage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et vous venez de comprendre, vous avez compris que la douleur, c'est un cri de manque d'oxygène. Un cri de manque d'oxygène, ça veut dire qu'il y a, pour information, un problème de circulation et qu'il faut permettre la circulation sur la partie. Peu importe la partie, toute douleur est cri de manque d'oxygène et problème de circulation. Oui, monsieur Fabrice, vous voulez dire quelque chose? Oui, docteur, non, c'est juste pour remercier docteur Armand, papa Armand. C'est juste pour cela. Donc, vous pouvez continuer votre développement. Merci. Donc, vous voyez que le signe essentiel, Dieu a tellement bien fait les choses que lorsque vous êtes en péril, il a créé un signe, un ressenti qu'on appelle douleur. Et la douleur n'a qu'une seule signification que je viens de vous transmettre aujourd'hui. Rien d'autre. Ce qui veut dire que toutes les maladies qui évoluent et s'aggravent finiront par être douloureuses. Donc normalement, on ne peut pas dire qu'il y a des maladies douloureuses et des maladies non douloureuse. C'est une conception floue, fausse, et qui nous enfarine au point où notre esprit ne peut pas aller vers le réel et guérir les gens. Et là, mes travaux que je partage vous montrent que on ne peut pas parler de douleur émotionnelle, psychologique et consort, qui ne sont que des souffrances. Quand on parle de douleur, c'est une douleur physique. C'est d'ailleurs pour ça que les gens disent « J'ai une souffrance qui s'est accompagnée de douleur. » Quand il le dit comme ça, il comprend mieux. Ça se comprend mieux. Mais quand quelqu'un te dit « J'ai une douleur anodine. » L'anodinie, c'est comme l'analgésie. Anodinie veut dire sans douleur. Comment tu peux avoir une douleur anodine? Comment tu peux avoir une douleur anodine? Vous voyez que c'est compliqué. Le langage qui n'est pas bien adapté. Vous le savez maintenant, on ne peut pas avoir une douleur anodine. Anodini veut dire sans douleur. C'est comme une analgésie. Mais dans la communication régulière, les gens disent « Oui, j'ai une douleur anodine. » Vous voyez? Mieux. Quand
douleur, il y a déjà cri, il y a gravité, il y a tout le reste. Mais avant la douleur, il peut arriver qu'il y ait un autre problème. Vous vous rappelez des paralysies? Quand on dit que quelqu'un a fait un AVC, il est devenu hémiplégique ou paraplégique ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, il y a une paralysie qui s'installe chez lui. Là encore, comme dans la douleur, ce n'est pas la question de nerfs, ce n'est pas les nerfs. Ce n'est pas les nerfs, c'est toujours la circulation. Malheureusement, tu vas voir des gens avec des supposées hernies discales ou lombocéphalgie ou sciatique qui vont être opérés par le neurochirurgien et puis finalement, ils se retrouvent dans les chaises roulantes parce qu'ils ne peuvent plus marcher. Et on dit, c'est le nerf. Pour révéler que les paralysies aussi ne sont pas dues au nerf, je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'il y a, en médecine, on enseigne ça, hein, l'ischémie des membres inférieurs. Il y a une maladie qui est définie comme ischémie des membres inférieurs, qui souvent entraîne une paralysie. Parce qu'il y a baisse de circulation et qu'on sort. Pour trouver ces artéries, toutes ces phlébites et autres, ces maladies-là, qui paralyse la personne, qui fait qu'il ne peut plus marcher, les membres ne peuvent plus bouger, il y a un truc qu'on appelle la tétrade de Griffith, les 4 P de Griffith. S'il y a les médecins dans la salle, bon, ils savent de quoi je parle. Pour les autres, ils peuvent noter les 4 P de Griffith et ils vont sur Internet, ils cherchent. Les cardiologues, les chirurgiens et autres, ils savent ça. Les traumatologues connaissent ce que je dis. Les 4 P de Griffith qui définissent les problèmes de circulation sur un membre sont les 4 P. Le premier P, c'est quoi? Pain, c'est-à-dire douleur. Pain, c'est-à-dire douleur. Quand je dis pain, je prononce en anglais. P-A-I-N, pain, c'est-à-dire en français, douleur. C'est le premier P. Le deuxième P, c'est le pulselessness, c'est-à-dire l'absence de pouls. Pulselessness. Absence de pouls. Le troisième P, c'est paralysis. Le quatrième P, paralysis, je dis paralysie. C'est en anglais. Le quatrième P veut dire pâleur. C'est-à-dire, pâleur veut dire pâleur. Regardez les 4 P là. Quand il y a pâleur, c'est que le sang ne circule pas. Quand il n'y a pas de pouls, c'est-à-dire pulselessness, c'est que le sang ne circule pas. Donc vous voyez que pain, c'est normal. La douleur, c'est normal. Et vous voyez que la paralysie, et c'est normal aussi. Et ça montre que quand quelqu'un est paralysé, c'est que son sang ne circule pas. Et si le sang ne circule pas, c'est qu'il y a des caillots sur le chemin du sang de la partie là. Est-ce que c'est difficile à trouver quand même? Pourtant, ce que je vous dis là, nous qui avons fait la médecine, tu ne feras pas la médecine sans des certificats comme ça. Que ce soit en chirurgie, que ce soit en cardiologie. Quand tu as mal au cœur, on court pour t'amener chez le cardiologue. Mais le cardiologue n'est pas un neurologue. La douleur qui est au cœur, comment la douleur au cœur doit être due à un caillot et que la douleur au pied serait due au nerf ou bien à autre chose. Vous voyez? Emancipate yourself. From mental slavery. Oui, vous devez quitter l'esclavage mental. Et ça,
Nos écoles, nos universités sont champions et sont championnes dans ça. On nous a liés, on nous crée une aliénation mentale. Les mots sont des prisons aussi. L'hypertension, je vous l'ai dit, le sciatique, je vous l'ai dit, je viens de vous dire, la douleur. Or, la douleur, c'est le signe divin que Dieu a donné à tout être pour savoir qu'il a des problèmes de circulation. Hein, je le redis, dans Redemption Song de Bob Marley, « Oh, pirate, yes, they won't buy. Soldat to the merchant ship, minutes after the two guy, from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this sound of freedom? Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Number ourselves in free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Je ne vais pas continuer parce que des fois, quand je chante ça, ça me fait pleurer. Pour moi, ça fait pleurer, ça fait pitié. Ça ah ben, oui. Des fois, en chantant ça, ça me fait pleurer parce que tellement on a été abrutis que les éclaireurs, les informateurs, les leaders sont persécutés, fuyés. Pour garder les gens dans l'esclavage mental, il suffit de distribuer quelques biscuits aux gens. Les gens croient qu'aller à l'école, c'est pouvoir avoir de l'argent, envoyer ses enfants dans de grandes écoles et manger ce qu'on veut. Et c'est ça leur mission sur Terre. Or, leur mission sur Terre, ce n'est pas ça. C'est éclairer, partager la vérité. Il est vrai que la vérité, c'est comme Dieu même. Ça met du temps pour s'afficher. Ça met du temps pour s'affirmer. Et on finit par penser qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas Dieu. Mais c'est faux. Dieu existe et la vérité est Dieu. Et nous devons, en nous affranchissant de cette aliénation, d'aider ceux qui ont la clairvoyance de partager cette vision pour que nous puissions accomplir notre mission divine sur Terre. Et notre mission divine, ce n'est pas de venir manger, de chier, de faire du bruit, d'avoir des milliards, mais d'accomplir des missions plus élevées. Et ça, ça, peu l'ont compris et peu le comprennent. C'est pour ça qu'on dit aux gens que de nos jours, c'est le diable qui gouverne. Oui, puisque la vérité n'y est plus. Ce que je vous ai dit ici, c'est choquant. Ce n'est pas des choses à enseigner à l'université. Mais on sort de l'université, on n'a pas ces notions. À l'école primaire, parce que la vie et la santé étant la clé de tout ce que tu vas faire après, à l'école primaire, déjà, les gens doivent savoir ce que je viens de vous dire là. Mais on sort avec nos gros doctorats et on n'a aucune notion de ça. Et Bob, c'est un prophète, il ne s'est pas limité à ça. Quand tu écoutes Babylon System, tu comprends tout ce qui se passe. Mais vous, vous avez de la chance ici parce que, comme disait Jimmy Cliff, I can see clearly now the pain is gone. I can see all obstacles on my way. None of the dark cloud that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day.
Oh yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feeling has disappeared. Tu vois, c'est beau, c'est beau. Quand on a la vérité, c'est beau. Et vous êtes des gens choisis qui maintenant comprennent ce qu'on dit. La douleur, vous savez que c'est physique, c'est un cri de manque d'oxygène et c'est un problème de circulation et il va falloir lutter contre ça autrement. Et en ajoutant dans ce sens, je vous ai dit, la douleur, la paralysie aussi, il n'y a pas de paralysie nerveuse. La paralysie est toujours vasculaire, c'est-à-dire vasculaire et hématologique. Ce n'est pas enseigné comme ça, mais vous le comprenez aujourd'hui. Si vous avez mal au cœur, le temps d'appeler l'ambulance ou de faire quoi que ce soit, faites le rénox si vous ne saignez pas. Le temps que l'ambulance ne vienne ou que le cardiologue vous voit, vous êtes déjà bien portant. C'est plus simple comme ça, non? Et ceux du Togo qui ont ce qu'on appelle le babatidien, il suffit de faire des infusions de babatidien. La personne est on dit que des gens sont des cardiaques. Ah, qu'est-ce que ça veut dire cardiaque? Je ne sais même pas. Puisqu'on peut mourir avec un cœur en bon état. Donc, quand tu as des douleurs au niveau du cœur, il suffit de prendre la plante là, pour les gens qui sont au Togo et au Bénin, babatidien, tu fais infuser ça, c'est les feuilles de babatidien, tu bois, c'est instantané comme on fait avec Vida ou bien l'Ovenox aussi. Je vous donne quelques recettes, quelques petites recettes pour que vous compreniez qu'en fait, nos aïeux le savent. Et dans le milieu là, ils disent que toutes les maladies, c'est coco. Coco. En fait, coco qui s'assimile à l'hémorroïde dans la compréhension occidentale de la chose, ce n'est pas ça. C'est écou, écou, écho, écho. Ça veut dire que des cailloux. C'est ça qui veut dire coco. Donc, on peut trouver des cocos sur les yeux, dans la tête, dans la poitrine et partout. Mais quand on dit, en tant que médecin ou étudiant en médecine, on rit. Comment tu peux avoir des hémorroïdes sur les yeux? Mais ce n'est pas ce que ça veut dire dans nos langues. C'est dommage. Lorsque tu laisses quelqu'un venir t'enseigner sa langue, être éduqué dans sa langue, tu deviens son esclave aussi. Et ça, il va falloir qu'on s'émancipe de ça aussi. Nos langues sont riches et n'ont rien à envier au langage structuré qu'on nous importe. Malheureusement, moi j'ai déjà fait cette bêtise parce que quand j'ai fait ma fille, je disais que ce n'est pas la peine, quand ma femme était enceinte, je disais que ce n'est pas la peine parce que on ne doit pas parler nos vernaculaires là, puisqu'il n'y a pas de livre de science dans nos vernaculaires. Et je me suis interdit avec ma femme à parler le vernaculaire, on parlait de français. Ma fille est née et elle parle bien français et tout. Mais quand elle va à l'école, on se moque d'elle parce qu'on dit tout, elle ne comprenait rien. C'est un mal que j'ai fait à ma fille parce que je croyais lui faire du bien. Et quand le deuxième est venu, lui, naturellement, parlait plus facilement la langue et parlait nos langues alors que sa grande soeur ne pouvait pas. Vous voyez, je croyais faire bien alors que j'étais un aliéné mental, croyant que l'enseignement occidental m'avait fourni de la science au point où il n'y a pas de science dans mes langues, ce qui est faux totalement. Vous voyez? J'espère que vous ne ferez pas cette erreur-là et que vos enfants parleront et parlent déjà d'ailleurs vos langues locales. Parce que ces langues-là cachent de la science. Ce n'est pas de l'empirique seulement. La science, c'est l'observation. Nos aïeux, ils n'observaient pas dans le microscope, mais c'est la nature qui leur donnait la science.
que c'est de grands scientifiques. Bref, vous savez ce que c'est que la douleur aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit du nerf. Et vous savez que pour couper la douleur, on fait une anesthésie. Anesthésie, c'est-à-dire on supprime le messager. Ça, c'est intéressant pour la chirurgie. Quand le docteur Armand est parti opérer son chien, s'il ne fait pas d'anesthésie, le chien va crier de douleur, pas possible. Parce qu'il doit couper des endroits, couper la circulation, donc des parties vont crier. C'est normal. Et là, c'est intéressant. On ferme la bouche du messager. On supprime le nerf. On fait l'anesthésie. C'est dans l'intérêt du patient. Mais ça ne veut pas dire que le messager est le message et que le message est l'information. Non, malheureusement, c'est ce qu'on enseigne et on crée des spécialités même chargées de ça qu'on appelle rhumatologie, alors que vous pouvez voir des rhumatologues qui ont des arthroses, vous allez comprendre. Vous pouvez voir des cardiologues, pareil. Vous pouvez voir des diabétologues diabétiques et qui vont vous dire ça ne se guérit pas. Puisque les définitions sont biaisées, les mots sont mal enseignés, comment voulez-vous que ces gens comprennent? J'étais comme eux, je vous ai dit, je vous ai raconté la bêtise que moi j'ai faite, par exemple, dans le langage de ma fille. Mais ça, je croyais faire du beau, du vrai, du bon, du blanc ou bien du blanchi, alors que je ne suis qu'un arriéré mental. Le message divin de la douleur, je viens de vous le donner. Il y a problème de circulation locale ou généralisée. Vous allez voir que tous les cancéreux, au dernier moment, crient toujours douleur, douleur. Et on leur donne quoi? La morphine. La morphine fait quoi? Supprime le message. Fait taire le messager. Parce que au bout du cancer, la circulation est presque arrêtée. Vous avez une autre compréhension de la chose. Il n'y a pas de maladie que vous qui êtes ici, vous ne pouvez pas soigner. Parce que vous comprenez qu'il n'y a que deux malessences. Deux. Tout ce qu'on raconte vient des deux là. Et les deux là, il faut apporter de l'oxygène. Soit par alimentation, les antioxydants, les alcalinisants, les anionisants, les énergisants, et donner des anticoagulants tels que les polyphoneurs de longévité et consorts. Et AIM vous les offre, soit par C24-7 qui contient tout, bon, à des doses mesurées, ou du complete qui, malheureusement, dans quoi on a enlevé les anticoagulants et les anti-H. Il y a le Restore Life qui est un condensé de ces anticoagulants-là et des polyphénols de longévité. Mais la palme d'or est à quoi? C'est pour Vidamas. Et que vous devez associer forcément à Colédouze. Donc, vous voyez que vous pouvez guérir toutes les maladies sans exception. Sans exception. C'est les doses seulement qu'il faut adapter. Mais mieux, tout ce que j'ai cité là, si vous ne les avez pas, et que vous n'avez qu'un seul produit à porter, ça s'appelle C-Suprême. Qui, non seulement dans les ABC et tout le reste, dans les cancers, joue le rôle qu'il faut. Parce que douleur avant tout, c'est problème de circulation. Or, toutes les maladies même sont des problèmes de circulation. C'est quand ça atteint 80% de baisse que la douleur apparaît. Vous comprenez? Maintenant que tout devient facile à gérer. Et
je ne vais pas trop garder la parole. J'ai dit ce que je dois vous dire. On a une trentaine de minutes devant. Je vous laisserai poser des questions. Merci et namasté. Merci. Namasté, docteur. Namasté, merci beaucoup. Merci pour votre développement. Maintenant, nous connaissons ce que c'est que la douleur et tout ce qui l'entourait. Comment faire pour venir à bout? Donc, merci beaucoup, docteur. Mais avant de donner la parole à la salle, je voudrais poser une toute petite question. Et c'est plus ou moins en rapport avec ce que nous faisons. Dans votre développement, tout de suite, docteur, vous avez parlé de l'euthanasie. De l'euthanasie. L'euthanasie, oui. Oui, de l'euthanasie. Est-ce que l'euthanasie, un parent du patient ou bien du malade peut demander l'euthanasie à la place de celui qui souffre? Je vais vous dire, lorsque la personne n'a plus de conscience, est dans une vie végétative, lui-même, il ne peut pas donner des avis. C'est seul ses ayants droit qui ont à donner des avis. Mais il peut arriver que les ayants droit pensent que leurs parents souffrent trop. Ça ne peut être que des ressentis. Ça ne peut peut-être des fois être que le fait de le voir comme ça, émotionnellement, ils ne supportent pas. Et souvent, c'est eux qui demandent qu'il vaut mieux l'arrêter comme ça. On préfère garder de bonnes images de lui que de le voir comme ça. Des fois, on pense que dans son état, il ne peut plus revivre. Et on préfère arrêter sa vie. Donc, vous voyez que c'est difficile. Légaliser ça, ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans la compréhension, peut être possible demain. Donc, faire survivre la personne pour un temps peut donner la possibilité de trouver la solution de son problème. C'est possible. Mais si les ayants droit ne supportent pas, ou bien le médecin vous dit, ça là, il n'y a pas de possibilité, on ne peut rien faire. Beaucoup préfèrent abréger la souffrance. Pas la douleur, parce que quand tu es dans cet état, tu es presque anesthésié. C'est les autres qui souffrent en te voyant. Ce n'est pas toi qui es dans. Parce que souvent, les gens là sont sous anesthésie puissante qui font qu'ils ne ressentent plus rien. Mais c'est des légumes, quoi. C'est-à-dire, c'est une vie végétative. L'euthanasie, c'est comme, pour moi, les avortements. L'avortement est autorisé, défini selon les niveaux de connaissance et les niveaux techniques qui permettent à un fœtus de le faire vivre. Si vous n'avez pas les moyens de faire vivre une grossesse de 4 mois qui sort de l'utérus, vous allez dire qu'il y a avortement. Mais il y a des gens qui peuvent faire vivre un fœtus de 3 mois qui sort, mais dans des conditions telles qu'il peut évoluer normalement. Chez eux, la définition de l'avortement et de fausses couches est totalement différente. Donc la notion d'euthanasie, d'incapacité de faire suivre quelqu'un dépend de la science, du niveau de science, du niveau d'équipement, et tout le reste, tu vois, c'est très compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'un État qui est très développé et outillé, selon son niveau, peut décider que dans telle ou telle situation, puisque l'issue sera toujours fatale, on peut décider, les ayants droit peuvent décider d'arrêter la vie de la personne. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie. Les vétérinaires, comme le docteur Armand, savent que chez eux, c'est beaucoup plus facile. Ils le font souvent. Ils euthanasient des chiens enragés et d'autres choses.
d'autres animaux dans certaines situations. Mais chez l'humain, c'est beaucoup plus délicat. Si le docteur Armand peut nous dire les conditions dans lesquelles ça se fait, chez les vétérinaires, moi je ne suis pas vétérinaire, donc je ne sais pas, mais c'est qu'ils le font souvent. Mais chez les humains, c'est beaucoup plus délicat. Il y a même des gens qui vivent dans le coma pendant 30 ans. Pendant 30 ans, avant de mourir. Et d'autres sortent du coma après tout ce temps. Vous voyez, c'est délicat, c'est difficile, mais bon. Tout dépend du niveau de culture, du niveau de technologie, du niveau technologique de chaque pays et des moyens qu'ils ont. Et c'est seul ça qui permettrait de définir les conditions dans lesquelles il faut faire une euthanasie ou non. Mais une euthanasie ne peut pas se faire sans les ayants droit. C'est eux qui décident toujours. Voilà. Alors, docteur, il paraît que docteur Armand veut intervenir. Ok, donc donnez-lui la parole. Oui, je vais intervenir parce que dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, l'expérience que j'ai eue au Cap-Skilling, mon client m'avait demandé d'euthanasier son chien. Simplement parce que elle n'arrivait plus à contenir sa souffrance. Le chien hurlait à mort. Donc, c'était pour elle l'occasion. Elle dit, je ne veux pas le voir souffrir, il faut l'euthanasier. Je lui ai demandé d'attendre simplement et qu'au bout de 48 heures, si ça ne s'améliore pas, j'accepte de lui donner les moyens de l'euthanasier, quoique je ne pouvais pas le faire à distance. C'est un autre béton qui allait le faire. Mais dans la pratique vétérinaire même, le problème qui se pose à nous, c'est que si on ne fait pas attention, on suit facilement les clients qui veulent se débarrasser de leur chien et demandent l'euthanasie pour un oui ou pour un non. Il faut être très consciencieux et savoir que vous ne détenez pas la vie et que vous devez la protéger au lieu de la supprimer, de l'enlever. C'est pour cela qu'il faut être très, très, très vigilant au niveau de la clientèle. Les gens pourront vivre ou non, ils veulent se débarrasser du chien, ils veulent ou de leur chat, ils veulent aller en vacances, hein, ils trouvent l'euthanasie normale. Bon, il y a des gens qui le font pour l'argent, mais ce n'est pas recommandé. Vous voyez, c'est comme une dame. Parce que son enfant pleure tôt, trop, il va voir le médecin pour qu'on prescrive quelque chose à faire dormir l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qu'on soigne ou bien c'est la dame? c'est la dame qui est soignée. Parce qu'elle aura la liberté de faire. L'inquiétude maternelle a été gérée, mais on plonge l'enfant dans une autre situation. Vous voyez, le docteur Armand l'a si bien dit. S'il voulait suivre la dame, il allait euthanasier le chien. Mais le chien vit. Parce que la dame, rien qu'en voyant la souffrance, suppose qu'il n'est pas, elle ne pouvait pas. Mais le docteur Armand dit, on va faire et on verra. Et lui, il a opéré. Il a enlevé la tumeur. Il a supprimé la douleur. Vous voyez, ça dépend du niveau de compréhension, ainsi de suite. C'est pour ça que le médecin ou le thérapeute que vous êtes doit être quelqu'un qui maîtrise sa science et qui comprend l'attitude et la psychologie de celui qui se, du patient ou du malade ou autre, je ne sais pas, pour pouvoir gérer. Sinon, des fois, tu vas tuer un chien, tu vas tuer un être humain pour rien. Merci papa Armand, merci pour le partage de votre expérience. Heureusement d'ailleurs que nous sommes ici avec merci. L'amour en partage. Merci encore. Merci beaucoup, merci à nos docteurs. Il nous reste encore quelques minutes, puisqu'on nous a fait bonus d'une trentaine de minutes, donc nous irons jusqu'à 15h30. On va maintenant attaquer les questions. Il y a déjà dans la salle beaucoup de questions qui sont là, on va commencer à les lire un à un. Il y a Christophe
qui dit Namasté, docteur Amégan. Merci beaucoup, soyez richement béni. Il paraît qu'il y a. Oui. Bon, docteur Romarickson à l'Oignon. Allô? Oui, allô? Oui, vous avez la parole, docteur Romarickson. Comment est-ce que vous allez? Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. OK. Et le froid, comment ça se passe? Oui, tout juste pour donner un exemple, pour corroborer l'exemple que vient de donner le docteur Amand. Je suis allé à Washington, D.C., aux États-Unis, chez une Togolaise. Son enfant souffre de la maladie, là, comment l'appelle-t-on? C'est une maladie mentale. Et donc, on est allé chez le thérapeute. Je suis dans la salle. Il ne savait pas que je suis du domaine. Donc, pendant tout le temps de la session, pendant toute la session, le monsieur n'a parlé qu'avec la femme. Or, le patient, c'est le jeune garçon. Mais à un moment, je ne pouvais plus supporter parce que ce n'est pas l'éthique que j'ai apprise dans mon métier. Et donc, j'ai dit au monsieur, en tout temps, je n'avais pas encore fini, mais j'ai dit que, mais monsieur, je suis doctorant en psychosocial. Et donc, celui qui fut soigné, ce n'est pas la mère. Je suis d'accord que dans une approche holistique, il faut impliquer la mère. Mais le patient, ce n'est pas la mère, mais c'est le jeune homme. Et donc, oui, le garçon souffre de l'autisme. Et donc, si tu veux parler avec le patient, il faut parler avec le garçon pour voir s'il répond ou bien s'il ne répond pas. Et comment il répond? Est-ce qu'il est violent physiquement? Est-ce qu'il est violent verbalement? Et tout ça là, ça ne peut venir que de l'enfant. Mais le monsieur, il a pris tout son temps pour se concentrer sur la maman. Et là, je suis intervenu, j'ai dit que ce n'est pas possible, on ne fait pas ça. Et quand il a appris que je suis du domaine, maintenant, il a commencé à trembler. Donc, souvent, c'est comme ça que les gens font. Au lieu de soigner, ouais. Au lieu de soigner la cause, ils préfèrent plutôt aller soigner autre chose. Merci pour l'instant. Merci beaucoup. Pour l'exemple du docteur Alognon et Romarickson Alognon, il y a quelque chose de particulier. Et souvent, chez les enfants, dans l'expression de certaines choses, tu es obligé de prendre la vie de la mère. Et la mère peut interpréter faussement ce que l'enfant a. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'étais en chirurgie pédiatrique, voulant comprendre comment les enfants réagissent, je devais faire la psychologie. C'est ce qui m'a amené en philosophie, puis en sociologie après. Parce que les mamans disent plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'enfant a. Et il va falloir que toi, tu apprennes à interpréter ce que les signes de l'enfant et son langage. Et ça ne s'enseigne pas. Si tu ne fais pas la psychologie, tu ne comprends rien du tout. Malheureusement, la médecine a ses défauts là, mais je crois que les gens prennent conscience maintenant et que la psychologie supplante tous les domaines. Tous les domaines aujourd'hui, même, on fait la psychologie des animaux. Et quand tu vois comment Dr Armand s'occupe des chiens, son approche des chiens et autres, parce que le langage du chien, lui, ne comprend pas, il va falloir savoir comment réagit le chien. Donc, pour les enfants aussi, c'est pareil. Mais là, le piège de l'exemple que Dr Romarickson vient de donner, c'est parce que des fois, pour apprécier ce que l'enfant a, c'est la maman qui doit te donner des informations, souvent biaisées, souvent fausses, mais c'est ainsi. Et il faut s'armer de psychologie. Heureusement que lui a fait de la psychologie. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question ici. C'est posé par Galaxy Tab. Bon, il ne s'est pas identifié. Il dit ceci. Merci, docteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme des maux de tête? Ah, très bien. Maux de tête, c'est douleur. Maux de tête, c'est douleur. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de douleur sans caillot, sans problème de circulation. Ça, vous le savez. Maintenant, ça dépend de la taille du caillot. Le fait que ce caillot soit bloqué quelque part pendant longtemps, ou bien
qu'il y ait plusieurs cailloux qui circulent. Les maux de tête peuvent être simplement légers parce que, entre-temps, dans un petit vaisseau, un caillou est bloqué pendant quelque temps et puis après ça passe. Ça peut être un gros caillou qui bloque un vaisseau plus gros et plus petit, ainsi de suite. Donc, n'importe comment les maux de tête ne sont dus qu'à quoi? Les maux de tête sont des douleurs et les douleurs ne sont dues qu'à des caillots, c'est-à-dire à des blocages de circulation. Ce qui suppose que quelqu'un qui a des risques cardiovasculaires, lorsqu'il a des maux de tête, c'est automatiquement des anticoagulants. Mais quelqu'un qui n'a pas souvent ça, tu peux lui donner du paracétamol ou autre chose pour que la nature joue son rôle, parce que la nature même dissout certains caillots. Lorsque les tailles ne sont pas trop grosses pour bloquer une grande partie de circulation, la nature s'en occupe. Mais quand vous avez maux de tête, sachez-le, c'est comme les autres douleurs aussi. C'est des caillots. Il n'y a pas de maux de tête sans caillots. Ça n'existe pas. C'est pour ça, j'insiste, il n'y a pas de douleur psychologique. Je le répète, il n'y a pas de douleur émotionnelle. Quoique c'est enseigné comme ça, défini, et bien de choses ont été dites comme ça, mais je vous ai expliqué ça aujourd'hui. Une douleur, c'est un état de pénibilité physique. Et ça ne s'exprime que lorsque il y a baisse de la circulation de 80%. Donc les maux de tête, c'est pareil. Et je vais vous le dire. Hier soir, moi j'étais un peu fatigué et puis j'avais des maux de tête. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti acheter du Novenox 0,8 et je me le suis injecté dans le ventre. Et voilà, je n'ai pas pris de paracétamol ou rien d'autre. C'est le Novenox que j'ai fait. Alors, merci, docteur. Ça, le médecin oui. qui est resté conventionnel comprendra difficilement ça. Mais s'il s'affranchit pour avoir la notion de maladie globale holistique, pour comprendre ce que je partage ici, de façon holistique, on ne peut pas avoir de maux de tête sans caillot. Comme on va vous dire, il y a des malformations. Il n'y a pas de malformation si un fœtus sans caillot. Il n'y a pas de problème d'urgence gynécologique sans caillot. Et ça, ceux qui savent observer comprennent ce que je dis. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit en chirurgie, la chirurgie veut dire quoi? Rétablir la circulation par les bistouris. Si tu ne peux pas le faire, amputé. C'est ça. Le chirurgien ne fait que ça. Rien d'autre. Bon, quelqu'un a mis, c'est les cailloux. Non, c'est des cailloux. C'est ôté. Les cailloux, c'est les pierres et autres. Non, c'est des cailloux. Cailloux sanguins. Ok, docteur. Il y a une autre question là. La personne dit ceci. C'est Sissoko. Il dit oui. Bonjour, docteur. Les yogis ont-ils raison de dire que les exercices de respiration peuvent venir à bout des douleurs et des autres souffrances chez une personne? Bravo, bravo. Puisque nous venons de dire que douleur égale quoi? Cri de manque d'oxygène. Il parle de yogis et exercices de respiration. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vous ai dit tantôt que lorsque l'oxygène baisse, le sang se coagule. S'il peut respirer davantage et donner plus d'oxygène, vous comprenez très bien. Oui, les yogis, ils ont raison. Mais c'est raison gardée parce qu'il y a des limites à ça. Oui. Quand vous comprenez, rien ne vous étonne. Oui. J'espère que j'ai répondu à sa question. Ok. Je vais voir. Il y a un intervenant. Il y a un leader qui veut parler. Il a mis Dieu est bon. Monsieur Dieu est bon. Il veut Dieu intervenir. Dieu ne peut pas être bon. Donc dire Dieu est bon, c'est une tautologie. Dieu, oui. c'est le bon. C'est la vérité. C'est ça. Dieu est bon. Mais... Dieu est bon. Est-ce qu'on peut Monsieur dire Dieu est bon? Monsieur, bon,
Activez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Allô, leader, Dieu est bon. Ah, OK. Bon, il semble qu'il n'est pas là, il n'est pas avec nous. On continue toujours avec les questions. Et il y a une autre question là. Et quelqu'un qui parle de l'arbre que le docteur vient de citer tout de suite, c'est Babatidien. La personne dit, bon, je fais une chose. Il y a quelqu'un qui demande de savoir le nom de Babatidien dont a parlé docteur dans son développement. Et il s'agit de Jatropha Rouge. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait savoir si Bétera peut-il jouer le même rôle que Jatropha. Non, c'est pas pareil. La betterave aider à alcaliniser, à régler des problèmes. C'est un problème d'anémie, mais là, je parle de caillots. Quand je parle de caillots sanguins, il faut les dissoudre. C'est totalement différent. C'est totalement différent. D'accord. Il y a Abassa, Monsieur Abassa, qui dit ceci. Est-ce qu'il existe des méthodes ou remèdes naturels en vue de prévenir la douleur? Mais tu ne veux pas avoir la douleur, il faut que ton sang circule. C'est tout. Si le sang circule, ça veut dire quoi? Marcher, faire du sport régulièrement, et tu n'auras pas de douleur. C'est ça. Quand le sang circule, le sang n'est pas bloqué quelque part, il n'y aura pas de douleur. Ok. Il y a un autre aussi qui ne sait pas, c'est Itel A56. Bon, lui, il dit ceci. Docteur, comment expliquer la maladie appelée Broker? C'est dû à quoi? Wow. Ça, c'est plutôt le problème. Un muscle qui travaille beaucoup, quelqu'un qui fait du... Comment on appelle ça? Le bodybuilding. Il est musclé, hein, avec tout, costaud, tout, parce qu'il travaille beaucoup, n'est-ce pas? Le cœur aussi, c'est pareil. Quand vous le laissez tout le temps, forcer, à force de soulever, de pousser, il devient quoi? Gros. Mais le problème, c'est que quand le cœur devient trop gros, il devient un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire qu'il n'a plus la force qu'il faut. C'est ça. Mais attention, la façon dont on définit les gros cœurs, la façon dont nous calculons sur les images de radio les gros cœurs, ne disent pas dans quel état sont le cœur naturellement. Parce que dire gros cœur, c'est prendre une radio du thorax. Et il y a une façon de mesurer. Il y a des sportifs qui ont des gros cœurs, c'est normal. Ça n'a aucun problème de maladie. Attention, gros cœur ne veut pas dire que tu es malade forcément. Mais une hypertrophie cardiaque, c'est une autre façon de parler du gros cœur, mais c'est totalement différent. C'est le muscle dont je vous parle. Le myocarde qui devient beaucoup plus gros parce qu'il travaille beaucoup. Alors que des fois, chez des sportifs, tu vois un cœur avec une dimension qui est supérieure à 0, dans les calculs supérieurs à 0,50. Et c'est normal parce que c'est un sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ont ça, qui n'ont aucun problème. Attention, gros cœur. Si c'est le mot broker, ça ne veut véritablement rien dire. Si tu prends ça sur le plan scientifiquement, le plan médical scientifique, la façon dont on le détermine sur les radios, ça ne veut absolument rien dire. Mais maintenant, s'il y a d'autres analyses qu'on fait pour montrer que le muscle est devenu très, très, très épais, parce que travaillant trop, parce que trop excité à pousser des cailloux ou autres, à lutter contre des obstacles, c'est totalement différent. Mais
Les gros cœurs, là, se gèrent facilement. Si vous comprenez avec moi, s'il y a un gros cœur, c'est parce qu'il y a des obstacles, il y a des cailloux. Il y a des, c'est-à-dire, le cœur a des difficultés pour envoyer le sang. Supprimez les cailloux et régulez le cœur. C'est-à-dire, on donne des et ce qu'on appelle les bêta-bloqueurs, on ralentit le cœur dans son fonctionnement, on donne des anticoagulants et tout se règle comme par enchantement. C'est rien du tout. Mais ce que je vous dis, c'est la compréhension holistique qu'on partage ici. Ce n'est pas enseigné comme ça dans nos facultés qui ont fait de nous des médecins. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Abdou qui dit ceci. Merci pour votre brillante présentation, docteur. S'il vous plaît, c'est quoi une insuffisance nerveuse? Peut-elle entraîner la paralysie? Que une devient... insuffisance veineuse ou nerveuse? Une insuffisance veineuse ou nerveuse? Ok, bonjour, je reprends la lecture. Il dit ceci. Merci pour votre brillante présentation, docteur. S'il vous plaît, c'est quoi une insuffisance nerveuse? Non, elle s'est trompée parce que beaucoup parlent de nerfs souvent, alors qu'ils parlent de veines, c'est-à-dire c'est des veines superficielles. Ah oui, il a intervenu, il dit veineuse. Il a plutôt dit veineuse. Il a intervenu en bas. Pardon? Il a intervenu. Il dit plutôt que c'est veineuse, il voudrait écrire. Veineuse, donc, si vous pouvez, c'est tout ce qui ramasse le sang qui a déjà livré son oxygène pour le ramener vers les poumons, c'est vers le cœur et les poumons. C'est ces veines, ça. Maintenant, une insuffisance veineuse veut dire que la veine n'arrive plus à ramener le sang vers le cœur. Si la veine n'arrive plus à ramener le sang vers le cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des obstacles. Les varices et autres qu'on a souvent, les varices ne viennent pas seulement. C'est qu'il y a des problèmes que la veine se distend. Donc, c'est qu'il y a des cailloux. Et quand il y a des cailloux, oui, ça peut entraîner des paralysies. Mais souvent, sur les veines, c'est pas ça. Le membre grossit, fait mal, mais paralysé, c'est rare. Par contre, dans l'autre sens, avec les artères, oui, mais ça peut arriver, on peut être paralysé par ça. Parce que si le sang ne retourne pas vers le cœur, est-ce que ça va circuler? Le membre garde le sang, bloque le sang qui ne circule plus. Il peut être paralysé. Ça fait partie de ce que je disais sur le truc de Griffith. Le problème de la tétane de Griffith, c'est ça. Mais dans les infections à streptocoque ou à staphylocoque, ce qu'on appelle les érysipèles de jambes et autres, où tu vois la jambe de la personne qui brille comme si on a mis de l'huile là-dessus, alors que si c'est les artères, c'est pâle. Dans ce cas dont elle parle, ça brille, ça fait mal et tu ne pourras pas marcher avec des crampes et tout ce que cela suppose. Oui, quand il y a une insuffisance veineuse, je vous le dis, insuffisance veineuse veut dire qu'il y a des cailloux qui bloquent le sang pour repartir. Mais où ça se bloque, je ne sais pas. Mais là où ça grossit, en bas, c'est... L'enseignement veut dire qu'il y a des valvules dans le vaisseau. Normalement, quand le sang passe, les valvules se ferment pour que le sang ne puisse pas retourner. D'où ça vient? Mais des fois, les valvules, à cause de quelques parasites et des problèmes, les valvules sont flasques. Le sang passe et reflue. Ça donne des souffles. Comme nous disons dans nos langages, ça donne des souffles. Mais je vous le dis, ça ne se passe jamais sans caillot. Jamais, jamais, jamais sans caillot. Et ça, c'est des recherches qui me l'ont prouvé et vous comprenez facilement que ces choses n'existent pas sans cailloux. C'est comme on va vous dire, quelqu'un fait des hémorroïdes. Hémorroïdes, c'est cailloux dans l'anus là-bas. C'est cailloux dedans. Et vous comprenez pourquoi les hémorroïdes font mal. Parce qu'il y a des cailloux, le sang ne circule pas. Et vous comprenez. Et si ça dure trop longtemps, la partie pourrie, ça fait une fistule avec tout ce que vous savez.
tout est caillot. Sans caillot, pas de maladie. Même les infections. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous allons lire la toute dernière question. Ça vient de l'un des leaders qui nous suit sur Facebook. Il dit ceci, son nom c'est Roger Amana, il dit ceci, « Merci infiniment, docteur, pour ce cadeau. S'il vous plaît, aidez-nous à mieux comprendre la différence entre la douleur et la souffrance. Merci et que Dieu vous bénisse. » La douleur, c'est physique. C'est quelque chose que tu ressens à un point précis de ton corps. La souffrance, c'est quelque chose qui peut être un manque, un truc d'esprit. Qui n'a rien à voir avec le corps directement. C'est ça qu'on appelle des souffrances. Tant que ce n'est pas le corps même physique qui est touché, il vaut mieux parler de souffrance, de tristesse, de malheur, de tourment, de je ne sais quoi. Ça, c'est des souffrances, ça. Quand c'est physique, ça devient douleur. C'est pourquoi les gens disent « J'ai une souffrance qui s'est accompagnée de douleur au pied. » Parce que quand j'ai appris que ma maman est décédée, la souffrance que ça m'a donnée, automatiquement, j'ai senti un truc au cœur et autre. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas cette souffrance-là qui est la cause. C'est parce qu'il y a des cailloux avant, il y a d'autres problèmes avant qu'on ne savait pas. Mais les vaisseaux s'étant rétrécis à cause du stress, à cause de la souffrance, à cause de l'émotion, le caillot qui pouvait passer naturellement ne passe plus et ça déclenche une douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur qu'il ressent est émotionnelle, psychologique et autre. Il avait une souffrance de la perte d'un parent ou autre. Mais dès que ça devient matériel, physique, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il faut parler de douleur. C'est ça. Ça dit que lorsque la souffrance se somatise, c'est un gros mot aussi, que je somatisais, ça veut dire que s'incarne dans la chair, dans le physique. Tant que ce n'est pas physique, ce n'est pas douleur. Utilisez plutôt les mots souffrance. Mais quand ça devient physique, ça devient douleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. On est plus d'une centaine à suivre aujourd'hui dans la salle puisque les gens ont placé des écrans, de grands écrans dans des salles pour nous suivre. Et la salle Zoom qui a une capacité de 100 était déjà pleine. Donc, il faut imaginer combien de personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Sur Facebook, on était au moins à une cinquantaine qui a suivi. Donc, nous remercions beaucoup Dr Jean-Paul Amégan et nous allons lui donner la parole pour ses mots de fin. Alors, Dr Jean-Paul Amégan, vous avez la parole pour votre mot de fin. Je vous remercie et bientôt, pour les vivants que nous sommes, on va nous flatter encore sur le 14 février pour la fête de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Je vous souhaite d'être de bons vivants et de profiter de l'amour en partage. Et pour dire ça, nous devons remercier celui qui a permis que nous soyons là, le président Chérif et sa femme, sa charmante femme, et toute l'équipe, dont vous, Fabrice et les autres, les autres GA, sans oublier AIM Global. Mais mon vrai message serait d'être sûr, et je suis sûr que vous avez compris ce qu'est la douleur et que vous pouvez l'éviter pour vous, le soigner pour vous et pour tous ceux qui vous entourent et ceux qui viendront vous solliciter.
Qui dit douleur dit anticoagulant. Qui dit douleur dit toujours anticoagulant. Mais, comme il l'a dit avec les yogis, l'oxygénation, c'est-à-dire les exercices de respiration, peuvent le régler. Mais ce n'est pas tout qu'on peut régler par cette voie-là. Parce que chez les yogis même, il y a des yogis, des maîtres qui se font opérer. Allez comprendre. Donc, c'est ce que je voulais partager. La vie est très saine, la santé est très saine. La vie, c'est la circulation. La mort, c'est l'arrêt de la circulation. Toute diminution de la circulation entraîne des problèmes qu'on résume sous deux malessences. Deux, les acidoses et puis la coagulation. Et pour les régler, il n'y a que les anticoagulants, les antioxydants, les anionisants, les alcalinisants, les énergisants. Et nous avons la chance, avec l'AIM, d'avoir tout ça à portée. On a tout à portée. Ça veut dire qu'on ne devait pas voir quelqu'un qui vient dans l'AIM ou sa maladie est une chance pour découvrir l'AIM qui ne puisse pas guérir et partager ce qu'il a pu apprendre dans l'AIM avec d'autres par amour pour eux et par amour pour la vie et pour la gloire de Dieu. Namasté. Namasté, docteur. Namasté. Merci beaucoup. C'est très gentil. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions beaucoup notre grand leader, le consultant francophone Chérif Mungun. Nous remercions beaucoup tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et nous remercions également la cabine technique, en l'occurrence, Monsieur Teguenon Eloi et Monsieur Dorego. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Merci. Namaste. Merci.